Eh bien, bonjour. Bonjour, je suis Olivier Gate, le gérant et fondateur de VRMS. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui chez moi à Perpignan et à la première édition de la version web de la conférence française des utilisateurs de FME et étape du FME World Tour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez pu vivre les 2 derniers mois dans de bonnes conditions. Vous connaissez tous la situation exceptionnelle qui nous a amené à revoir complètement l'organisation de la conférence prévue initialement à Paris. Plutôt que de l'annuler, nous avons fait le pari de la transformer en événement interactif sur le web. Il nous a fallu pour cela revoir entièrement le programme pour le raccourcir et le densifier. Je tiens à m'excuser auprès des intervenants qui faisaient partie du programme initial et que nous avons dû décommander. Je les remercie pour leur confiance et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Nous comptons sur eux pour participer au programme de la conférence 2021. Le programme a été raccourci donc, mais ce n'est pas une conférence au rabais que je vous propose. Nous n'avons ménagé ni nos efforts ni notre imagination pour donner vie et intérêt à cette manifestation. Alors, comme toute conférence digne de ce nom, il y aura du café, mais c'est à vous de l'amener. Des présentations techniques, des questions et j'espère des réponses, des jeux et des récompenses. Attention, questions de très haut niveau. Une pause en musique, merci à la SACEM et Rolling Stone, et bien sûr des cadeaux. Alors, vous allez tous recevoir un colis par la poste contenant au minimum la version française du guide des transformeurs de FME 2020. Merci à Margot et son équipe pour la traduction. Un véritable yo-yo en bois aux couleurs de FME et de VRMS. Ça pourra occuper vos enfants 10 minutes s'ils n'ont pas repris le chemin de l'école. Ensuite, en fonction du stock disponible, un cadeau surprise offert par Safe Software. Et enfin, cadeau de circonstance, un masque avec le logo de la conférence. Oui, nous avons osé. Alors soyons clairs, c'est un masque qui ne respecte aucune norme sanitaire. Son seul intérêt est de contribuer à banaliser l'utilisation de ces objets dans la vie quotidienne. Donc tous ces cadeaux vous seront envoyés dès que possible, sans doute à la fin du mois de mai. Il faut savoir que les Canadiens sont également confinés et que l'équipe marketing de Safe n'est pas en mesure pour l'instant de nous envoyer ces cadeaux. Nous faisons notre possible pour que chacun d'entre vous reçoive l'intégralité des goodies. Mais je ne suis pas certain que notre stock soit suffisant. Je vous avoue que nous avons été surpris par le succès rencontré par l'idée d'une conférence en mode web. Vous êtes plus de 450, même 480 hier soir, près de 500 à avoir confirmé votre inscription, ce qui est considérable. Et je vous en remercie. Je remercie tout particulièrement ceux qui se sont levés très tôt pour être avec nous ce matin. Je pense aux Guyanais, aux Antillais. Je salue également nos amis francophones d'Algérie, de Suisse et du Québec. Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien. Merci à Arxité, à David Benny. Merci à toute l'équipe de Growthnat, notamment à Martin Méry, ainsi qu'à la Figeo pour son appui marketing. Je tiens à remercier également toute l'équipe de VRMS que vous allez retrouver dans un instant, et tout particulièrement Alexandre Roy, qui assure la régie de chez lui et qui a organisé cet événement. Merci Alexandre, tu as fait un travail énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment va se dérouler la conférence? Oui, merci Olivier. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à une demi-douzaine de présentations sur FME Desktop et FME Server. À la fin de chacune de ces interventions, nous allons consacrer quelques minutes à des questions-réponses. N'hésitez donc pas à nous contacter via l'option QR au bas de votre écran. Nous tâcherons de répondre au maximum de questions dans le temps qui nous sera imparti. Vous avez aussi un onglet Converser qui ouvre un chat sur lequel vous pourrez trouver tous les liens utiles et les informations complémentaires aux présentations. Voici pour moi. Je vous remercie et passez une bonne conférence. Alors, nous allons commencer la conférence avec Marguerite Espada. Marguerite, tu es là? Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, donc, je suis Marguerite Espadin, donc du service FME de VRMS, et moi je vais vous parler des nouveautés de FME Desktop 2020. Très bien, ensuite, nous écouterons Jordi Gibert. Bonjour Olivier, moi c'est Jordi Gibert, responsable du pôle FME à VRMS et je vais vous parler de la détection d'objets sur des images aériennes. Ensuite, un duo détonnant, Frédéric Eschelbrenner et Loïc Guénard-Andelli. Bonjour, Bonjour à avec tous. Loïc, on va vous parler de SQL dans FME. Et d'optimisation des jointures. Ensuite, ce sera au tour d'Alexandre Bizien.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je me présente, Alexandre Bizien. Je vous présenterai donc les nouveautés de FME Server 2020, toutes les améliorations côté expérience utilisateur, sécurité. Il y a beaucoup de choses. On va voir tout ça. Ensuite, nous ferons un petit tour en Bretagne avec Romain Baumet. Oui, bonjour, Romain Baumet de l'équipe FME de VRMS. Je vous proposerai d'expérimenter les nouveautés FME Server avec un exemple de contrôle qualité. Et de mon côté, je terminerai en vous parlant de graphes, de synoptiques, de cladogrammes et de sociogrammes. Enfin, avant de passer à la présentation des nouveautés de FME 2020 par Margot, je voudrais laisser la parole à Don Murray et Dale Lutz, donc les fondateurs et dirigeants de Safe Software, qui nous ont gentiment envoyé un petit message. Hello France. And thank you to our partner Verimes for hosting this event. I'm Don Murray. And I'm Dale Lutz. And we're the founders of Safe Software. And we're really sorry we're not able to join you. Normally during World Tour, our staff is scattered across the globe out to see all the partners. I know I was scheduled for many cities in Europe and I'm disappointed I wasn't able to do that. And you too, Dale, where were you off to? I was off to, I think, a record-breaking 6 different cities in Europe this time. Would have been a great time. So yes, there's a lot of disappointment, but at the same time, we all have a choice about how we're going to face this time. And we're hoping all of you are safe and healthy. And at Safe, we're all working from home. Yeah. And so this has been an interesting experience for all of us to, work remotely. And we're just thankful at Safe that, everybody on our team is safe. We're working as hard as ever to continue to support you and all our customers around the world. So it's hard not to be very excited. Don and I, of course, are not on the road, which means we're back here working closely with the team. And there's a lot of fantastic stuff in the pipeline, but that shouldn't overshadow the great stuff that already was released with FME 2020. Yeah, we're super excited about FME 2020. It definitely is the best FME release ever. It doesn't matter where you look, whether it be how much faster is the engine, new systems that are supported, the desktop, and it's how it just continues to take authoring to the next step, or FME server with automations. And so we're really glad that you're gathered together wherever you are, virtually or otherwise, and spending some time digging into all the great stuff that FME can do. One of the things we know is that FME is a Swiss Army knife, and a lot of folks don't know that there's a toothpick in there or a scissor, and hopefully today you'll learn our favorite tool or two throughout the day. Yeah, and part of the World Tour is, reaching out to all of you. And so please do reach out back to us, even though we can't be there. We have live chat, we have our amazing community, and there's going to be lots of things that are coming on that as well. So how about those COVID licenses, Dale? You want to talk about that? Yes, we do have options. We know that many people are working from home and can't access their FME as well. They might need to be doing some additional work related to the crisis that we're all working through. And so we do have a fairly generous plan that's just on our website. So please take advantage of that during this time if it can be helpful in any way. Yep. And we were going to have an FME UC this year in Vancouver. Mm-hmm. We've now postponed it to 2021 in August. So we're, really optimistic about that, because there's nothing like all of us getting together around the world. So please do put that on your calendar. And we hope to see you all and just enjoy, the best you can during these times. Look after yourself. Look mm-hmm. after, all you care about, everybody you care about, and be really safe while we all work through this. So in the meantime, we'll keep doing our best to support you and all the work you're doing now and in the future. And again, we'll look forward to catching up with you in a year, but enjoy the time today. Yep. And I have to say, Dale, I really like your hair. My wife is threatening to cut it while I'm sleeping, so I'm a little nervous. Oh, those are problems I dream of. Yeah. Okay, thank you. Bye. See you all. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Marguerite Espada du service VRMS, du service FME de VRMS, et donc je vais vous parler donc des nouveautés de FME Desktop 2020. Alors, s'il fallait résumer FME Desktop et FME 2020, je pense qu'il faudrait retenir deux choses. Premièrement, FME 2020, c'est plus de connexions.
C'est plus de connexions à des services web, à des API, à des entrepôts de données, à des données. Donc, premier élément, plus de connexions. Et deuxième chose, FME 2020, c'est plus d'automatisation, c'est-à-dire plus d'intégration FME serveur, FME desktop. Il faut dorénavant considérer FME desktop comme un des maillons d'un process qui est plus large et qui est géré, qui est piloté par FME serveur. Et si à l'évidence, les efforts de SAFE en 2020 ont été portés sur FME Server, on a tout de même un certain nombre de nouveautés du côté du desktop. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'amélioration de l'interface, pas de modifications significatives, à l'exception de la personnalisation des connexions. On va pouvoir dorénavant cliquer sur une connexion et on va pouvoir choisir de lui associer, de lui affilier une apparence. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un trait, un style de trait avec une couleur, une épaisseur de trait. Et on va pouvoir de la sorte gagner en clarté quand on va pouvoir mieux visualiser tout le flux de données qui transite dans un projet. Alors j'avoue que je considérais ça un petit peu comme un gadget. Mais je l'ai utilisé dans plusieurs projets, notamment assez conséquents, et je pense qu'on y gagne vraiment, et notamment dans la compréhension d'un projet. Alors, c'est très simple. Il suffit donc de cliquer sur une connexion, et puis, par un simple clic droit, je vais accéder à une petite fenêtre d'édition des propriétés de la connexion. Et donc, je vais pouvoir choisir d'associer une couleur, tout simplement, une épaisseur de trait, et puis un style. Et je vais surtout pouvoir choisir d'associer, d'affecter cette apparence soit à la connexion sélectionnée, mais également aux connexions en amont et ou en aval, mais également à toutes les connexions en amont et ou en aval. Donc ici, dans mon exemple, on voit que dorénavant, toutes les connexions après celles que j'avais sélectionnées ont été personnalisées, ont été customisées, et on voit mieux le flux qui circule, le flux de données qui circule depuis l'élément sélectionné jusqu'au writer. Notez également que dans le menu outils et dans les options FME, il y a dorénavant, dans la section apparence, une petite rubrique qui est destinée précisément au style des connexions. Et donc, je vais pouvoir enregistrer une connexion personnalisée pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc, du côté de l'interface, on retient donc la personnalisation des connexions. Alors, je vous ai dit en préambule, FME 2020, c'est plus de connexions. Alors, ça veut dire quoi, plus de connexions ? Ben, ça veut dire plus de connecteurs. Alors, les connecteurs, je vous le rappelle, hein, ce sont ces fameux transformeurs qui permettent d'accéder à des services web pour charger et ou télécharger de la donnée, donc pour pouvoir extraire de la donnée et la manipuler. Alors, du côté des services cloud, de nouveaux connecteurs. Alors, on vous en avait parlé un petit peu l'année dernière, l'Athena Connector, qui va permettre d'aller se connecter au service de requêtage de fichiers d'Amazon, donc nommé Athena, et qui a pour intérêt de pouvoir requêter des fichiers de façon simple, très efficace, et puis surtout avec une grande volumétrie. Donc, un petit exemple. Alors, je vais déplacer ma fenêtre. Voilà. Alors, je vais ouvrir un projet que j'ai construit en deux étapes. Donc, le voici. Donc, la première partie, j'ai simplement chargé dans un bucket S3 un fichier CSV. Ce fichier CSV stocke les éruptions volcaniques dans le monde, et ce depuis le 15e siècle. Alors, il y a une première opération qui a été effectuée par Athena qui a permis de convertir finalement ces fichiers CSV dans des sortes de tables que je peux dorénavant connecter, requêter. Alors, l'Amazon Athena Connector se paramètre très simplement. Dans un premier temps, je m'authentifie. Et puis ensuite, je vais indiquer le bucket, donc l'entrepôt dans lequel se trouve mon fichier CSV. Et plus particulièrement, je vais indiquer le chemin. Donc là, moi, dans mon exemple, mes fichiers sont stockés dans un répertoire, une sorte de répertoire qui s'appelle CSV. Et puis, je vais pouvoir donc éditer ma requête. Alors ici, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple puisque je demande simplement d'extraire les éruptions volcaniques qui ont lieu au Japon. Alors, il faut bien penser à exposer les attributs que je veux utiliser par la suite. Dans mon exemple, j'expose le nom du pays, l'année de l'éruption, et puis les coordonnées XY, tout simplement pour pouvoir créer une géométrie par la suite, et puis pour pouvoir visualiser mes éruptions volcaniques japonaises. Alors, je vais activer ma carte de fond pour m'assurer que je me trouve bien au Japon. Alors, espérons que la connexion se fasse rapidement. Bon, alors, on va peut-être me croire sur parole, mais a priori, on est bien, on se trouve bien au Japon. Ah voilà, elle apparaît.
Donc, on est bien ici. Donc, on bénéficie de toute la puissance de calcul d'Amazon. Alors, notez qu'il existe complètement l'équivalent du côté du cloud de Google avec le connecteur BigQuery Connector qui, de la même façon, va permettre d'aller requêter des tables stockées dans le cloud de Google. Il a été simplement couplé avec un nouveau writer qui est le writer BigQuery et qui va permettre de réinjecter ces données dans le cloud, de Google. Plus de connexions, c'est également plus de connexions à des applications. Alors, on note par exemple S3 ArcGIS Utility Network et CityWorks, qui sont des applications dédiées à la modélisation de données, d'infrastructures et de travaux. Du côté de Microsoft Power BI, mais également IBM Maximo Trerica. Plus de connexions, c'est bien entendu plus de readers et de writers. En ce qui concerne les formats spatiaux, alors notez simplement qu'on supporte les annotations d'ArcGIS Pro en 2020. Du côté de la 3D, alors en lecture et en écriture, toujours en tech preview, le format CityJSON. Et puis, en ce qui concerne les rasters, en lecture et en écriture, là encore, la version V3 de CW est désormais supportée. Et puis, les nuages de points. Donc, du côté d'Antoine, alors Antoine, c'est un format de nuages de points peu utilisé en Europe, mais qu'on utilise aux États-Unis et au Canada. Alors, je vais vous montrer un projet. C'est simplement l'occasion pour moi de vous montrer une amélioration significative de l'inspection de la donnée 3D. On a une très nette amélioration de la fluidité de l'inspection. Alors, à la fois dans le Visual Preview et dans le Data Inspector. Alors, c'est peut-être pas flagrant aujourd'hui, parce qu'on est nombreux à être connectés. En tout cas, je vous invite à faire le test, parce que ça vaut le coup. L'amélioration est quand même significative. De nouveau, readers et writers, du côté des formats dont la syntaxe est basée sur du JSON et du XML. Alors, le TopoJSON, qui est une extension du GeoJSON et qui a pour particularité de stocker de la topologie, donc en lecture et en écriture. XSD Driven XML et l'OGC GML S121. Plus de connexions aussi en ce qui concerne les formats AEC, architecture, ingénierie et construction. Alors, je pense qu'il faut retenir, s'il fallait retenir quelque chose, c'est probablement l'amélioration significative du lecteur Revit, donc du reader Revit, qui a été amélioré. Donc, pour trois principales raisons. La première, on peut lire les métadonnées fichiers, on peut lire les systèmes de coordonnées, et puis surtout, on va pouvoir lire tout un tas d'attributs qu'on ne lisait pas les années passées. Et donc, bien entendu, on va pouvoir agrandir les possibilités de traitement de ce format-là avec FME. Donc là encore, je vais vous montrer un petit projet. Et c'est l'occasion de vous présenter nos nouveaux locaux. Alors, je vais ouvrir un projet qui n'a pas été conçu par mes soins, mais par Alexandre Roy, notre régisseur du jour. Voilà. Alors, le but de ce projet, c'est de partir d'un format Revit, et puis de générer donc de la 3D, et puis de générer en sortie un PDF 2D, donc un plan de nos nouveaux locaux. Alors, si j'inspecte mes données, on voit donc, j'ai tout un tas de types d'entités, mais j'ai surtout, en fonction des types d'entités, tout un tas d'attributs donc, que j'ai pu exposer et que je peux donc exploiter dans ce traitement. Alors, par exemple, en ce qui concerne les murs, j'ai les épaisseurs, les pièces, j'ai tout un tas d'attributs spécifiques. J'ai également une couche, un type d'entité relatif à mon fichier. Et donc, dans ce traitement, j'exploite justement tous ces attributs que je ne pouvais pas exploiter les années passées parce qu'elles n'étaient pas supportées. Alors, en sortie, on va pouvoir inspecter. Je génère un PDF qui est ici et qui représente nos nouveaux locaux dans lesquels on n'a pu travailler qu'une semaine, malheureusement, avec tout le service FME. Donc, on retient une amélioration significative du format Revit. Alors, en 2020, SAFE a continué ses efforts pour supporter des formats d'imagerie médicale. Alors, en lecture, en écriture, le format Nifty, je ne vais pas vous en parler, je ne suis pas spécialiste. Sachez également que de nombreux transformers raster sont en développement pour pouvoir manipuler et gérer des imageries IRM. Plus de connexions, c'est également vrai du côté du machine learning.
Alors, que l'on soit sur la reconnaissance d'image ou sur le traitement du langage naturel, on va toujours retrouver ce triptyque de connecteurs du côté d'Amazon, du côté de Google et du côté de Microsoft. Sur cette diapo, je vous ai présenté en plus un transformeur personnalisé qui s'appelle Pictera Connector et qui, lui, est dédié à la détection d'images géospatiales. Mais je ne vais pas vous en parler puisque Jordi Gibert va vous en parler juste après moi. En tout cas, en ce qui concerne la reconnaissance d'images, on a donc ces trois connecteurs, Azure Computer Vision Connector, Reconnection Connector et Google Vision Connector, qui fonctionnent très bien, très simplement, et la logique est très simple. Je vais utiliser ces connecteurs pour envoyer une image, et ce sont les services qui vont faire ce job, ce travail de reconnaissance d'images d'objets. Et ils vont renvoyer à FME un rectangle englobant de l'objet détecté, avec un attribut qui va stocker la classification de cet objet, autrement dit, la caractéristique de cet objet. On a exactement la même logique du côté du traitement du langage naturel, avec ce triptyque de connecteurs, donc chez Google, Amazon et Microsoft, et on va fonctionner exactement de la même façon. On va envoyer une chaîne de caractères au service qui va faire le job de détection et de traitement du langage, de la chaîne de caractères, et en fonction du paramétrage demandé, le service va nous retourner alors soit la langue dans laquelle la chaîne de caractères est écrite, soit un mot-clé ou éventuellement l'interprétation du sentiment. Il va me définir si ma chaîne de caractères est plutôt de l'ordre d'un sentiment positif, d'un sentiment négatif ou plutôt neutre. Alors là encore, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Alors, sur la partie gauche de mon projet, on est sur la reconnaissance d'image. Alors, voici mes trois connecteurs. Donc, je vais bosser avec le connecteur d'Amazon, Reconnection Connector, et qui est très simple. Donc, je m'authentifie et puis j'envoie mon fichier. Ici, tout simplement, j'indique le chemin de mon fichier. Et puis, je vais surtout choisir l'action que je vais demander de faire au service. Je peux détecter des visages. Je peux faire de la modération d'image, autrement dit, c'est la détection d'images un peu sensibles. Je peux choisir quelque chose de plus large et choisir de la détection d'objets ou carrément de la détection de texte. Dans mon exemple, je vais travailler sur la détection d'objets et puis j'envoie la célèbre jaquette des Beatles, donc de l'album Abbey Road. Et donc, si on inspecte le résultat, alors ça fonctionne très bien. On voit que le service Amazon Reconnection m'a reconnu 17 objets. Et si je les inspecte, alors je vais agrandir ma fenêtre. Alors, on voit tout un tas d'objets, donc des personnes, mes fameux Beatles. Alors, il y en a un cinquième qui est caché, c'est peut-être le cinquième Beatles qui est au fond de la rue. Il détecte des chaussures. Et puis au fond, tout un tas de voitures. Donc, ce service fonctionne très bien du côté d'Amazon, mais il fonctionne de la même façon et aussi également très bien du côté d'Azure et du côté de Google. En ce qui concerne le traitement du langage naturel, exactement la même logique, je vous disais. J'utilise le connecteur pour envoyer une chaîne de caractères. Alors, dans mon exemple, j'ai écrit « Dommage que la conférence à Paris ait été annulée ». Et puis, je choisis de définir donc une action spécifique. Donc, soit je détecte un sentiment, un langage ou un mot-clé. Dans mon exemple, je vais essayer de détecter le sentiment. Et si j'inspecte le résultat, alors le sentiment est plutôt négatif. J'aurais pu choisir de détecter la langue, par exemple. Donc, il va falloir que je réexécute mon connecteur. Et en principe, donc ça. Voilà, donc il a eu un petit temps de traitement, mais c'est vraiment très rapide. Et il me retourne le code de la langue. Le code FR, on est bien en français. Donc ça fonctionne très bien, je répète, que l'on soit du côté de Google, de Microsoft ou d'Amazon, les services fonctionnent très bien dans des temps records. Et c'est plutôt efficace. Alors, bien entendu, en 2020, des transformeurs et des formats ont été optimisés. Alors, deux transformeurs ont été optimisés, le bufferer et surtout le statistic calculator dont les performances ont été accrues, multipliées par 100, Dixit Safe. Et puis, des formats, donc le Shape, l'Excel et le Geo Package ont été améliorés en lecture et en écriture. Alors, je vais revenir sur le statistic calculator, car certes, il a été amélioré en termes de performance, mais également son interface et surtout son fonctionnement ont été revus, repensés. On peut désormais
faire des calculs différenciés, des calculs statistiques différenciés selon différents attributs. Alors, je vais retrouver mon projet. Voilà, je vais réouvrir le projet que j'avais ouvert initialement pour vous présenter les connexions, la personnalisation des connexions. Voilà. Donc, voici le projet. Il est relativement simple. En tout cas, ici, je m'occupe, je traite du nombre d'infirmiers pour 10 000 habitants en France. Et l'élément principal de mon projet, c'est mon statistique calculator qui se trouve au centre, ici. Et donc, si j'ouvre sa fenêtre de paramétrage, donc on peut constater effectivement que le statistique calculator a été revu. On peut désormais demander de faire des calculs différents, des calculs statistiques différents sur différents attributs, et ce, dans un unique transformeur. Alors ici, j'ai différents attributs, notamment des données relatives, des taux d'infirmiers, 10 000 infirmiers, le nombre d'infirmiers pour 10 000 habitants. Et donc, je vais pouvoir lui demander de faire un min, un max, une moyenne, ce que l'on veut. Et puis, je peux sélectionner un autre attribut. Là, en l'occurrence, je suis en valeur absolue, et je peux procéder à des calculs différents. Par exemple, une somme et un max. Alors, j'accède aux autres statistiques, comme la médiane, l'écart tic, etc., en déployant la fenêtre. Exactement la même logique du côté des stats cumulatives. Je peux choisir un attribut et lui demander de faire certains stats. Et puis, je peux choisir un autre attribut et choisir d'autres stats, etc., etc. Donc, je vais gagner évidemment en performance, mais en clarté, parce que je vais utiliser un seul statistique calculator, là où les années passées, il aurait fallu que j'utilise une séquence de statistiques calculator. Alors, le résultat est stocké dans un attribut dont le nom va toujours respecter le même formalisme, le nom de l'attribut, suivi d'un point, et suivi de la statistique. Donc, dans mon exemple, taux d'infirmiers, point moyenne, nombre d'infirmiers, point max, nombre d'infirmiers, point seul. Et de la sorte, on se repère bien dans les statistiques qui ont été opérées. Voilà. Et bien entendu, FME 2020, ce sont de nouveaux transformeurs. Alors, en ce qui concerne la reprojection, l'intégration de la librairie Proj, qui est la librairie utilisée par MapServer pour ces problématiques de reprojection, et puis du nouveau du côté des rasters, avec un transformeur qui nous a particulièrement intéressé, qui est le raster segmenteur. Le raster segmenteur va nous permettre de faire de la segmentation. Alors, la segmentation, c'est ce process qui traite des rasters et qui a pour objet de regrouper des pixels entre eux, des pixels qui ont des caractéristiques communes, et notamment des caractéristiques spectrales. On va les regrouper en groupe, donc en segments, d'où le nom de segmentation, avec pour objectif d'avoir une partition totale de l'image. Et il nous a semblé intéressant de l'utiliser, notamment dans des problématiques de vectorisation de raster. Alors, là encore, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, il devrait être ici. Voilà. Alors ici, alors on va un petit peu regarder le projet. Je lis en entrée une image, donc au format JPEG 2000. Alors, il s'agit de parcellaires. Alors, on va un petit peu inspecter ça. Voilà, donc j'ai des parcelles. Et puis, si je zoome un peu plus, j'ai des identifiants de parcelles. Ce raster est simple. Alors, j'insiste dessus, il est simple. Et c'est la raison pour laquelle la segmentation fonctionne bien. On a peu de couleurs et donc la segmentation est rapide. Et surtout, elle fonctionne bien. Alors, dans ce projet, je fais d'abord un tuilage pour pouvoir envoyer à mon raster segmenteur qu'une seule tuile et gagner ainsi en performance. Et le segmenteur va faire ce travail d'identification de pixels qui ont des caractères communs, des caractéristiques communes. Et donc, si j'inspecte mon résultat, alors je vais afficher l'étendue de ma tuile. Voilà. Alors, on voit très simplement que le segmenteur a bien fonctionné. Il a regroupé des pixels qui avaient des caractéristiques communes. Probablement, il a identifié des pixels blancs qui étaient entourés de pixels noirs et il a fait ce travail de coloration. Alors, attention, je suis encore au format raster. Mais ce qui est intéressant, c'est probablement de le coupler avec le raster to polygon coercer et de la sorte, très rapidement, j'arrive à vectoriser, donc à polygoniser mes parcelles. Alors attention, le résultat n'est pas extraordinaire, puisque si je zoome sur des limites de parcelles, alors on voit qu'il y a tout un tas de polygones, et donc il y a un travail par la suite qui est nécessaire. Mais rapidement, alors
J'ai dû faire un petit post-traitement, mais rapidement, avec des généraliseurs, et tout un tas de transformeurs, mais pas grand-chose pour autant. J'ai rapidement pu obtenir des parcelles nettement plus propres, et nettoyer mes petites limites de parcelles. Alors, ce qui est amusant dans ce projet, c'est que j'ai voulu utiliser le fameux Reconnection Connector dont je vous ai parlé tout à l'heure, le service d'Amazon de détection d'objets. Et cette fois-ci, j'ai pas utilisé la reconnaissance d'objets, mais la reconnaissance de texte, tout simplement pour essayer de détecter mes identifiants de parcelles et de pouvoir les envoyer vers un writer, notamment du ponctuel, par exemple. Alors, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu quelques petites problématiques d'échelle et de décalage, donc je fais un petit post-traitement là encore. Mais rapidement, le service d'Amazon m'a retourné, alors je vais étendre encore la vue, m'a retourné tout un tas de rectangles englobants, pour lesquels il a détecté du texte. Et puis, dans mon post-traitement, j'ai pu assez rapidement. Alors, je suis un peu perdue, mais c'est pas grave. On va regarder le résultat ici. On a pu assez rapidement isoler d'un côté mes parcelles et puis de l'autre les identifiants. Donc, du ponctuel et du polygonal. Voilà. Alors, en entrée, en préambule, je vous ai dit FME 2020, c'est plus d'automatisation. Alors, ça se concrétise réellement par une évolution, mais elle est significative puisque c'est un nouveau writer qui est le writer FME Server Automation et qui va permettre de faire le lien entre mon FME Desktop et mon FME Server. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les types d'entités du writer FME Server Automation vont devenir des ports de sortie de mon automation côté FME Server. Alors là encore, je ne vais pas m'étendre puisqu'on va avoir deux démos qui vont être faits sur ce sujet par Alexandre et Romain. Et puis, je vais vous parler d'FME dans nos smartphones et plus précisément de l'application FME AR pour réalité augmentée. Alors, on a procédé à plusieurs tests pas toujours concluants. Alors, un cas d'école serait évidemment de pouvoir représenter donc en réalité augmentée une canalisation, par exemple, pour pouvoir la fournir à un exploitant de réseau, pour qu'il puisse visualiser la canalisation sur son smartphone et pouvoir travailler. Alors, quelques petites choses à vous dire. La réalité augmentée a bien fonctionné, l'application a bien fonctionné sur des petites géométries. Au-delà, dans mon exemple, si je travaille sur mes canalisations, au-delà de 10 mètres, on avait des problématiques de proportions et d'échelle, donc c'était pas génial. Donc, des petites géométries, et puis des géométries plutôt simples, dès lors que j'avais des embranchements, des choses comme ça. Là encore, j'avais des problèmes d'affichage. Et puis aussi, il faut penser à avoir des lignes, dans le cas d'une ligne par exemple, il a fallu densifier ma ligne, donc rajouter des points de construction, donc simplement utiliser un densifieur, pour que là encore, on évite des problèmes de décalage et de proportion. Alors dans ce process, FME intervient pour créer simplement le fichier .fmear, qui est l'extension attendue par l'application de réalité augmentée FMEAR. Alors je vais vous montrer un exemple avec ma canalisation. Alors, l'image n'est pas très fluide, mais elle va venir. Alors, j'ai fait exprès de représenter la canalisation en rose, pour qu'on puisse bien la repérer. Et on voit bien qu'on est sur une petite canalisation. Voilà, en ce qui concerne FME AR. Alors, j'ai bientôt fini. Alors, la version bêta 2020.1 est d'ores et déjà disponible sur le site de Safe en téléchargement. Et puis, je ne vous ai pas parlé de la connexion à Google Sheets. Alors, les équipes de dev de Safe suivent évidemment les développements entrepris par Google. Et donc, l'API V3 ne va plus être supportée à partir de l'automne, mais un nouveau writer va arriver probablement en septembre. Et puis pour conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons très prochainement, donc c'est une histoire de quelques jours, mettre à disposition
le setup de francisation de FME 2020 sur notre site de téléchargement vstore.vrms.net. Alors, sachez simplement qu'on a complètement revu notre process de traduction, de localisation, pour gagner donc en qualité, et puis aussi on a beaucoup plus traduit le logiciel, et également on commence à travailler sur la traduction de FME serveur. Alors, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute et bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci à tous. Marguerite, donc nous allons passer aux questions-réponses. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'option QR en bas de votre écran. Quelques questions sur Revit notamment. Donc, première question de Hervé. Oui. Il est possible de générer du PDF 3D à partir d'un fichier Revit. Alors, je ne l'ai pas testé, mais je pense que oui. Ça serait un bon test à faire. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser justement tous ces nouveaux attributs et puis le writer, un PDF en 3D. À tester. Ouais. Peut-on écrire avec le format Revit ? Non. On est toujours que sur la lecture. Donc, c'est qu'un reader. Et on est toujours en tech preview, d'ailleurs. Mais les efforts sont tels qu'on peut espérer avoir très prochainement un writer dans ce format-là. Et enfin, donc, Revit est toujours en tech preview. Il est sorti l'année dernière, en tout cas pour la semaine 2019. Y a-t-il une date de sortie ou une plage de date qui a été annoncée pour son officialisation? Alors, officiellement, je pense pas. En tout cas, on peut s'attendre à ce que dans le fin 2020-2021, le format soit disponible. Très bien. Alors, on passe du côté des DGN. Farid nous demande s'il y a des nouveautés ou des améliorations sur les DGN. Je ne crois pas à ma connaissance. Sur le format DGN, on est bien d'accord? Oui. Oui. Pas à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'évolution en 2020. Pierre nous demande s'il y a une mise à jour pour la version Android de FME AR. Je combine avec une autre question qui demande quels sont justement les smartphones. Oui. Si... Alors, on a fait nos tests sur un iPhone, 1.7, je crois. On a eu du mal à obtenir un résultat concluant sur Android. Alors, je ne connais pas les versions, je ne veux pas me dire de bêtises. En tout cas, sur Android, la représentation en réalité augmentée, on n'a pas réussi à la faire fonctionner. On a dû passer par iPhone, mais c'est prévu, c'est écrit. Donc, a priori, on peut faire la même chose avec Android, mais je crois qu'il y a quelques petits soucis encore. Et là, surtout, oui, donc une mise à jour qui est plus tardive que iOS. Oui. Stémano nous demande s'il y a des évolutions dans l'écriture du fichier BIM IFC. Alors, à ma connaissance, non, je ne pense pas non plus. Je ne crois pas que les efforts aient été portés sur ce format-là. D'accord. Nous avons deux dernières questions. Monsieur Lefroy nous demande quelles sont les améliorations pour le format Shape. C'est l'optimisation de sa lecture et de sa écriture. C'est simplement de l'optimisation en lecture et en écriture. Ouais. Donc, des entraînements plus rapides. Et enfin, donc, dernière question, les connexions au service cloud, donc Amazon, Google, Azure, nécessitent-ils des comptes gratuits ou payants? C'est une question de Drevet. Alors, ce sont des services payants, mais par contre, on peut donc les tester donc en évaluation, mais il faut bien sûr avoir un compte et s'inscrire. Mais ce sont des services payants. D'accord. Bien, je crois que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup pour ça, Margot. Merci à vous. Et nous allons passer du côté maintenant de la théorie à la pratique avec Jordi qui va nous montrer comment faire de la détection d'objets sur des images aériennes. Jordi, c'est à toi. Merci Alex. Merci Margot. Bon, je suis Jordi Giver, responsable du pôle FME à VRMS et je vais vous parler de la détection d'objets dans des images aériennes. Tout à l'heure, on a pu, lors de la présentation de Margot, elle nous a parlé de nouveaux connecteurs qui utilisent les services d'Amazon, de Google, d'Azure.
Et ces connecteurs, on a vu leur fonctionnement, mais il y en a aussi un quatrième qui a attiré toute notre attention aujourd'hui, cette année, que c'est Pictera. C'est Pictera, c'est l'intérêt, attirer tout notre intérêt car il a une utilisation, on peut traiter des images aériennes avec. Et c'est dédié aux images aériennes. Donc, ma présentation, elle va se centrer principalement sur l'utilisation de ce service. Pictera, comme on dit, c'est un service de vision par ordinateur pour la détection d'objets sur des images satellites aériennes et des drones. Et pourquoi elle a attiré notre attention? Notamment pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il permet de réaliser des modèles personnalisés. Donc, nous, on veut identifier un type d'objet sur une image, on peut créer un modèle pour identifier cet objet. Comme on a vu dans la présentation d'autres modèles, ce qu'ils font, c'est on a une bonne photo et en réponse, on a deux modèles préconçus qui, en retour, on a une réponse en disant j'ai trouvé une personne ici, un pied ici, une voiture ici, mais nous, on ne peut pas lui demander l'objet qu'on cherche. La deuxième raison pour laquelle Pictera attire notre attention, c'est aussi la segmentation des objets. Comme on peut voir dans la petite image ici en dessous, c'est pour la détection de deux voitures. On peut voir que le retour, c'est la limite exacte de l'objet retrouvé. Pendant code service, en retour, on a toujours l'encadrement global de l'objet. Alors, Pictera, c'est un service web qu'on utilise sur le navigateur et c'est réalisé par une société suisse et le service est payant. Alors, allons voir comment ça fonctionne le service. Imaginons que je veux réaliser un modèle pour la détection des piscines. Donc, j'ai ici un extrait de mon image où je veux identifier mes piscines. Comme je vois, des piscines génèrent de différents types. Il y a différentes formes. Après, il y a des couleurs bleues plus claires, des couleurs bleues plus foncées, aussi des couleurs qui sont un peu plus verdâtres. Donc, il faut que j'ai appris à Pictera à reconnaître tous ces types différents de piscines. Pour le fait, il y a trois phases. La première, c'est l'apprentissage ou l'entraînement. Pour l'entraînement, je veux définir des zones de test. Et les zones de test, il faut que je pense à mes différents types de piscines que je peux rencontrer. Donc, comme je disais, différentes formes, taille, couleur. Donc, par exemple, je vais prendre une zone de test dans une zone où il y a plus de bâtiments collectifs, où les piscines vont être plus grandes. Après, je vais prendre une autre zone de test dans plus d'habitations qui sont type lotissement, où peut-être il y a piscines plus nombreuses et plus petites. Alors, pour apprendre à Pictera à détecter les piscines, ce que je dois faire, c'est lui dire où sont les piscines et comment elles sont. Donc, ce que je vais faire, c'est au centre de chacune des zones d'entraînement, je veux m'amuser à dessiner ces piscines-là. Et Pictera met à disposition tous les outils nécessaires pour faire la délimitation de ces objets. Alors, c'est important, bien sûr, de passer un peu de temps à bien les délimiter dans toutes les zones d'apprentissage, délimiter toutes les piscines. Une fois fait ce boulot, Pictera dispose de toute l'information pour créer l'algorithme de reconnaissance de piscines. Comme on peut voir, l'apprentissage il est très rapide. En fait, pour ces modèles-là, on n'a pas passé plus de 10 minutes. On a dessiné 4 zones de test, on a dessiné peut-être une trentaine de piscines, c'est tout. Ensuite, je peux tester mon modèle. Pour le tester, je vais définir des zones de test sous les mêmes critères que j'ai défini les zones d'entraînement. Et j'exécute mon modèle sur mes zones de test. Et j'obtiens le résultat. Ici, on peut voir que les piscines ont été bien détectées. Sauf à l'exception, par exemple, ici, on peut en avoir une qui n'est pas détectée, ici, une autre. D'accord. Alors, c'est à nous de juger si on est content avec la détection ou pas. Si on n'est pas content, bien sûr, on peut définir de nouvelles zones de test ou incorporer de nouvelles images pour introduire et délimiter de nouvelles typologies de piscines jusqu'à perfectionner le modèle, jusqu'à ce qu'on soit content avec le résultat. Une fois on a validé le résultat, donc on peut passer à l'étape de détection. Alors, si je reviens sur un extrait de mon image initiale, on peut voir que les piscines, elles sont bien détectées et, comme je disais,
les polygones que j'ai en retour de l'application, c'est la limite exacte de la piscine. Bien sûr, deux fois, on peut voir des piscines qui ont été détectées en partie. On voit ici qu'il y a une forme un peu bizarre, ou ici qu'elle a été détectée comme deux piscines. Bien sûr, ça, il faut deux fois un peu de post-traitement pour réparer ces géométries. Alors, pour l'intégration de ces services sur FME, et on dispose aujourd'hui d'un transformer personnalisé qui s'appelle Pictera Connector, qui peut réaliser plusieurs actions. Les plus utiles et les plus utilisés vont être les chargements d'images. D'accord? Moi, je peux lire une image avec FME et l'envoyer directement au service Pictera, et aussi lancer des détections. Par exemple, je vais lancer tel modèle de détection pour telle image et j'ai un résultat tous les objets qui ont été détectés. Ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant, c'est créer nos modèles de détection. C'est toujours obligatoirement pour les services, pour les navigateurs qu'on doit passer. Alors, l'intérêt de l'intégration de Pictera avec FME, c'est les pré-traitements qu'on peut faire des images à traiter. Moi, pour la détection d'objets, je vais toujours avoir une image en entrée, mais cette image, des fois, il se trouve que mes orthoimages, par exemple, elles sont tuilées. Et il se trouve que l'image que je veux traiter, c'est un mosaïque de plusieurs tuiles. Donc, je peux tous ces pré-traitements le faire avec FME. Également, la transformation des formats. Pas tous les formats sont permis. Ou imaginons qu'on a une image multispectrale et je peux faire des opérations avec les canaux ou un choix des canaux pour les envoyer à Pictera. Donc, tout ça, je peux le faire en pré-traitement avec FME. Également, après la connexion au service, je peux faire tout le post-traitement de mes résultats. Avec ça, je peux faire traiter les géométries pour le peaufiner, je peux faire la génération de rapports, je peux également charger les données automatiquement sur ma base de données ou faire des exports à différents formats. Et bien sûr, un point important, c'est l'automatisation. Grâce à FME, je peux automatiser toutes mes détections. Alors, je vais vous présenter deux cas d'utilisation. Un premier, c'est on a essayé de faire la détection à niveau d'une commune de la surface qu'il y a de vignes, la surface de culture arboricole. Ici, il se trouve qu'il y a dans la commune des oliviers et des amandiers qui sont difficiles à différencier à cette échelle car on dispose des images de 25 cm pixels, donc c'est difficile de différencier à cette résolution entre olivier et amandier. Donc, on les a regroupés. Et aussi, je veux essayer de compter le nombre d'arbres. Alors, pour cela, il m'a fallu réaliser trois modèles de détection. Un pour les vignes, un pour les parcelles d'arbres et un troisième pour les arbres individuels. D'accord? Alors, avec Pictera Connector, tout d'abord, j'ai chargé mon image sur l'application. Ensuite, j'ai pu lister mes détecteurs. Ce qui m'a permis ensuite, avec un testeur, de pouvoir filtrer. D'un côté, j'ai filtré mon modèle de détection de vignes, de l'autre côté, mon modèle de détection de parcelles d'arbres, et un troisième pour le modèle de détection d'arbres individuels. Et ensuite, avec un Pictera Connector, j'ai pu lancer mes détections. Ensuite, j'ai désagrégé mon résultat, car je reçois en forme de multipolygone la détection, j'ai reprojeté à la projection que je voulais et dans le cas des arbres, comme j'ai des polygones, j'ai remplacé mon polygone pour un point pour avoir l'emplacement au centre de mon polygone. Si on regarde les résultats, comme résultat, moi j'ai obtenu trois shapes, un pour chacun des détecteurs, un shape pour les vignes, un pour les cultures arboricoles et l'autre pour les ponctuels des arbres. Et de cela, j'ai aussi également pu faire un rapport PDF en post-traitement que je veux vous montrer. Alors, comme on peut voir, je peux câbler directement mon résultat pour la génération d'un rapport ou je peux m'amuser à faire des tableaux avec toutes les statistiques et également composer une image que je n'ai pas affichée. Comme on peut voir, la détection est assez correcte, sauf pour certaines cultures
où il y a des arbres qui sont vraiment denses. Donc, le modèle, il a quelques difficultés à identifier tous les arbres. Un deuxième cas d'utilisation, c'est une analyse sur l'évolution de la surface viticole d'un territoire. Dans ce cas-là, on disposait de deux images, une de 2009 et une de 2018. La méthode utilisée, c'est la même qu'on a vue précédemment avec le Pictera Connector. On a chargé l'image et ensuite, on a les deux images, pardon, 2018 et 2009. Et avec Pictera Connector, on a lancé la détection. Alors, comme résultat, on peut voir que rapidement, on peut détecter les variations qu'il y a eu. On peut voir, par exemple, cette parcelle-là qui a été arrachée en 2009, il y avait la vigne, pas en 2018, et d'autres parcelles qui ont été plantées la vigne, comme celle-là, ou carrément des parcelles qui ont changé complètement de configuration. Alors, pour finir, dire que l'utilisation de Pictera avec FME, bon, Pictera déjà conclure que c'est un outil puissant et prometteur. On peut voir que, par exemple, sur des tâches comme on a vu pour la détection des piscines, on pourrait passer une journée à dessiner des piscines et peut-être on n'aurait pas le temps d'en finir. Avec Pictera, en 10 minutes, on peut réaliser un modèle. En 5 minutes de calcul, on a toutes les piscines et, bien sûr, le pourcentage de piscines dessinées, ce n'est pas le 100%. Il y a toujours des erreurs, mais bon. Si en un quart d'heure, on fait le 90-95% de boulot. Donc, c'est déjà beaucoup. Et aussi que Pictera, c'est le seul outil de ce type disponible. C'est le seul qui nous permet de réaliser nos propres modèles et aussi de traiter des images aériennes. Et c'est tout. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci, Jordi. Donc oui, on va passer aux questions, notamment sur Pictera. Raphaël nous demande si Pictera est un service payant. Oui, tout à fait. C'est payant. En fait, on paye par rapport à la taille et à la résolution de l'image, bien sûr. D'accord. Michel lui demande si on peut se servir de la technologie de Pictera pour identifier le réseau routier là où il n'y aurait pas de données vectorielles. Et nous, on n'a pas pu tester, mais oui, d'après ce que j'ai pu comprendre, oui, on peut, en effet. Toujours sur Pictera, Guillaume demande si, en cas de faux positif, on peut dire au logiciel, bon, tu as trouvé une piscine, mais dans ce cas-là, ce n'est pas bon, histoire qu'il apprenne. Et oui, tout à fait. En fait, c'est lors de la conception du modèle. Comme j'ai dit, dans les zones de test, ça suffit que nous, on essaye de comprendre pourquoi il y a ces faux positifs. Peut-être que notre zone de test, notre zone d'apprentissage n'a pas été bien choisie. Donc, on a surentraîné les modèles et ça fait qu'il y a des faux positifs. Et Damien demande si nous avons une idée du temps de traitement sur une petite commune, je suppose pour le couplage Pictera FM. Après, ça dépend. L'étape la plus longue, c'est le chargement de l'image en basse. Parce que l'image aérienne, il doit charger en format GeoTIFF, donc il est très lourd. Alors, ça dépendra de notre connexion Internet, surtout les temps qu'il faut. D'accord? Une fois l'image elle est chargée, les temps, le calcul de la détection, ça prend très peu de temps. En fait, moi, pour la commune que j'ai traitée, en 3 minutes, les calculs étaient faits. D'accord. Nous allons arriver aux deux dernières questions. Lucas demande s'il a une résolution d'image optimale pour utiliser correctement Pictera. Oui et non. En fait, on peut détecter des objets dans n'importe quelle résolution d'image. Sauf que pour chaque type d'objet à détecter, on a besoin d'une résolution pour la détecter. C'est-à-dire, une voiture, on peut le détecter avec une résolution de 25 cm, mais on pourra la détecter sur une résolution de 50 cm. Et si on veut détecter des types d'arbres différents, peut-être qu'on a besoin de résolution de 2 cm par pixel ou de 3 cm par pixel. En fonction de l'objet, on a besoin d'une résolution. D'accord, merci. Et enfin, on nous demande si Pictera a été testé sur des photos aériennes en noir et blanc d'anciennes années. Ah, ça, je ne sais pas répondre. Je n'ai pas fait le test. Je ne connais pas
de tests de ce type faits avec d'autres outils comme Picter. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. J'imagine que oui, ça doit être plus compliqué, mais on devrait pouvoir détecter des objets. D'accord. Merci beaucoup, Jordi, pour ta présentation. Merci, Alexandra. Alors, nous continuons maintenant les exemples d'utilisation de FMI Desktop. Nous allons cette fois parler de SQL, de récursivité, de factoriel et de Sudoku. Et c'est Frédéric et Loïc qui vont nous parler de tout ça. Frédéric, Loïc, c'est à vous. Oui, tout à fait. Alors, voilà, je pense que vous devez voir mon écran dorénavant. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes heureux de vous proposer cette session un peu geek du FME World Tour très particulier. Pour que ce ne soit pas trop ennuyeux, on a essayé de garder un côté ludique, mais peut-être quelques mots de présentation, Loïc. Bien sûr, Loïc Guénard-Mandelli, donc gérant de Sydney France, expert FME indépendant, mais aussi membre de la famille RMS depuis 2018. Voilà, et moi, donc Frédéric Echelbrenner, gérant d'Ellipso Facto depuis 2014 et membre de la famille de VRMS depuis cette date-là, en fait. Fred, par contre, pourquoi cette thématique SQL dans la conférence dédiée à FME ? On ne se serait pas trompé par hasard ? Parce qu'en poussant son raisonnement à l'extrême, un utilisateur FME peut se dire qu'il devient inutile pour lui d'apprendre SQL, que tout peut se faire dans FME. Oui, effectivement, c'est une façon de voir les choses, mais on va peut-être regarder de plus près ce qu'on peut faire avec SQL. En effet, Frédéric, du coup, pourquoi et comment exécuter des requêtes SQL sophistiquées dans FME ? Le plus simple, peut-être, c'est de voir cela sur un exemple en comparant la méthode pure FME et la méthode FME avec SQL. Dans cet exemple, le besoin est de connaître les départements dont la moyenne de la population est au moins égale à la moyenne sur la région. Voyons comment on peut réaliser ceci sur FME. Donc, du coup, pour la méthode 100% FME présentée sur la capture d'écran, on utilise au démarrage un agrégateur. Parce que du coup, on a ces départements qui sont pas forcément en multipolygone, donc on a des îles. Puis, par la suite, on utilise un statistique calculator groupé sur le code région. Et enfin, un test filter qui nous permet de détecter si la population est supérieure à la moyenne régionale. On se retrouve donc au final avec 39 entités. Et du coup, côté SQL, comment on pourrait faire ça, Frédéric ? La méthode FME avec SQL, ça consisterait à intégrer dès la lecture la sélection des départements qui respectent la condition requise. Donc la requête, pour ça, elle est un peu complexe, c'est vrai, mais enfin sa compréhension, elle est assez aisée. On peut la décomposer selon les trois mêmes phases qu'avec FME. Donc avec la clause WHERE, qui est du standard SQL, on définit une pseudo-table multipolygone de façon à agréger les polygones d'un même département en conservant attributs et géométrie. Ensuite, on définit la pseudo-table qui calcule la moyenne de population par région, donc qu'on a appelé moyenne région. Et puis à la fin, on a la requête qui permet de réaliser à la fois la jointure entre les tables précédentes et le filtrage sur la condition population supérieure à la moyenne. Alors, c'est d'autant plus simple à réaliser que SAFE a intégré dans l'interface de saisie des commandes SQL une aide à la construction des requêtes. Et notamment ici, on voit les fonctions POSGIS qui sont proposées, notamment la fonction stcollect. Alors, ce qui est rassurant, c'est que le résultat est identique. On a nos 39 entités qui sont sélectionnées. Alors, je vous accorde que pour un utilisateur FME averti, la méthode pure FME semble beaucoup plus naturelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de cette méthode basée sur SQL ? À ton avis, Loïc, est-ce qu'il y a une bonne raison pour se compliquer la vie ? Eh bien, oui, en fait, c'est surtout pour les performances. On se rend compte que sur un petit jeu de données, cela ne joue pas vraiment en fait, dans FME. Hein. Mais par contre, quand on a un gros jeu de données, quand on commence à aller chercher les millions d'objets, la différence est très nette. À titre d'exemple, hein, sur un test similaire au département, mais cette fois basé sur les déclarations de valeur foncière, donc un fichier DVF qui est disponible sur opendatagouv.fr, on observe un gain de performance d'un facteur 6. Hein. Le gain est encore plus important avec les versions précédentes de FME. Mais comme Margot vous l'a présenté tout à l'heure, SAFE a beaucoup travaillé sur les performances du statistique calculator en 2020. Ils ont fait x100, donc la différence est moins nette. Pourtant, on gagne quand même sur un facteur 6, ce qui n'est pas négligeable du tout en termes de performance. C'est clair, c'est clair. Alors bon, on est convaincu que ça vaut la peine de souffrir un peu pour gagner en perf. Mais alors comment est-ce qu'on réalise ces requêtes complexes ? Eh bien en fait, je ne sais pas si les utilisateurs de SQL connaissent, mais il y a une clause qui s'appelle WHERE. Hein, donc vous voyez la définition formelle de la syntaxe sur la capture d'écran. C'est emprunté à la doc SQLite. Et dans nos requêtes SQL, que ce soit dans un reader, un SQL executor ou un inline querier, on peut ainsi déclarer des pseudo-tables.
C'est un peu comme des vues dans vos bases de données, mais qui sont temporelles et accessibles uniquement pendant la requête en cours. C'est bien plus lisible que des requêtes SQL imbriquées qu'on a peut-être l'habitude de faire, et ça permet une maintenance donc du script bien plus aisée. Voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut même déclarer des requêtes récursives. Alors, si vous vous le rappelez de vos cours d'informatique, une fonction récursive, c'est une fonction dont la définition fait appel à elle-même. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Et le premier exemple qu'on prend en parlant de récursivité, souvent, c'est pour l'introduire, c'est la fonction factorielle. La fonction factorielle d'un nombre, c'est défini comme le produit de tous les entiers positifs plus petits que ce nombre. Donc, par exemple, pour 5, sa factorielle, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et en principe, ça fait 120. Alors, comment ça se matérialise dans FME? On écrit un traitement qui va prendre un nombre entier en paramètres, et puis on utilise le transformer inline querier, qui est à la base, il est plutôt destiné à effectuer des jointures via une base de données temporaire SQLite. Mais dans ce cas précis, on fait pas de jointure, juste une requête SQL pour lancer le calcul. Alors, si on regarde un peu plus en détail, cette requête contient une clause with qui définit une table temporaire factorielle. Alors, on a l'impression, vu la syntaxe, que c'est une fonction, mais c'est bien une table qui comporte 3 colonnes. Et la définition récursive contient toujours 2 parties. Il y a une partie d'initialisation, donc au début ici de notre requête. Et puis ensuite une formule récursive, et dans cette formule, dans cette partie récursive, on multiplie à chaque fois l'entier immédiatement inférieur en décrémentant la variable. Alors dans notre exemple, la table temporaire factorielle contient un ensemble de lignes, et le résultat final, c'est la ligne pour laquelle la variable est inférieure ou égale à 1. Donc, voilà pour le principe de la récursivité en SQL. Alors, évidemment, c'est pas très pertinent de l'appliquer au calcul de factoriel, mais puisqu'on peut le faire de façon bien plus naturelle, mais ça permet de comprendre le principe de la définition de cette récursivité. Ok Fred, bon, je crois qu'on commence à avoir mal au crâne là sur ça. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation plus ludique? Ok, on va passer à un exemple un peu plus ludique. Alors, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec ce passe-temps qui est le sudoku. Alors moi, ça me prenait des heures jusqu'à ce que FME me délivre. Alors, une grille de Sudoku, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une grille 9 par 9 avec des cases qui comportent chacun un numéro de 1 à 9. Et on ne veut aucune répétition de numéro, ni sur une ligne, ni sur une colonne, ni dans chaque petite grille 3 par 3 matérialisée en trait renforcé. Alors, sur la gauche, on a le problème initial. Donc, je l'ai téléchargé sur un site internet en PDF, qui est évidemment incomplet avec beaucoup de cases vides. Et puis, le but, c'est de remplir toutes les cases comme on le voit à droite. En respectant les contraintes qu'on a énoncées précédemment. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça avec FME? Je commence à comprendre pourquoi tu résous aussi vite les grilles de Sudoku, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on va faire ça avec une requête SQL. Alors, en fait, on va transformer notre grille en une chaîne de caractères de longueur 80, 9 par 9, et on va remplacer tous les numéros manquants par le caractère point, et progressivement, récursivement, en fait, on va substituer tous les numéros possibles à chaque point et vérifier que toutes les règles du Sudoku sont respectées. Alors, le plus simple, c'est peut-être de voir ça dans une démo dans FME Workbench. Donc, je vous présente ici notre traitement. Donc, il y a des étapes techniques préliminaires, décodage du PDF pour constituer la chaîne de caractères. Je ne vais pas vous les présenter en détail. Par contre, on va s'attarder peut-être sur la requête qui est faite ici dans le inline querier. Alors, bon, je vous accorde, c'est un peu plus complexe que pour le résultat précédent. Notamment, j'ai besoin d'une première table technique qui me calcule mes numéros de 1 à 9. Mais le principe est le même. On a une première partie d'initialisation et puis ensuite une deuxième partie de substitution récursive au fur et à mesure du caractère point. Avec le respect, donc ici, je vous matérialise les 3 règles du Sudoku. Donc, c'est pas d'une simplicité élémentaire, mais c'est pas non plus hors de portée, c'est pas immense. Donc, peut-être on va lancer ce traitement. Alors, au total, bon là, je pompe pas mal sur ma connexion Internet. Le plus long, clairement, c'est de télécharger le PDF depuis le site. Donc j'espère que faut peut-être que j'arrête de parler, ça va télécharger plus vite. L'étape de résolution en elle-même, elle est finalement extrêmement
courte. Vous voyez, une fois que j'avais téléchargé, elle est passée en très très peu de temps. Alors, je vais aller visualiser donc ce que ça donne. Donc 10h04, c'est bien ça. Donc on a le PDF d'origine que je vais essayer de déplacer ici. Voilà. Hop, excusez-moi. Et puis le PDF de la grille, la même grille, mais cette fois-ci résolue. Voilà. Et puis on voit au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait un nombre manquant des cases blanches, ben, c'est résolu ici, dans cette étape. Ouais, peut-être que tu proposes tes services aux joueurs de Sudoku qui ne réussissent pas à terminer. Ah, c'est possible, écoute, c'est possible. Alors, il faut que je retrouve la fenêtre de ma présentation. Où est-elle ? Hop. Hop. Alors, voilà. Je vous prie de m'excuser. Alors peut-être on va prendre quelque chose de plus sérieux, calcul de capacité d'un réseau télécom. Ça doit te plaire un peu plus. Oui, effectivement, c'est beaucoup demandé actuellement ce genre de questionnement. Donc, effectivement, alors pour nous, en première approximation, un réseau de distribution, donc FTTH, Fiber to the Home, avec un bel accent, c'est un point d'entrée qu'on appelle site technique, qui marque le passage entre un réseau de transport et un réseau de distribution des câbles reliant chaque abonné, des boîtes de raccordement et puis des câbles qui vont relier chaque abonné en bout de ligne. Ça va, c'est pas trop... Moi, je connais. Non, c'est assez explicite, c'est très bien. Ok. Et notre but, c'est de connaître la capacité minimale, donc le nombre de fibres optiques de chaque tronçon de câble, ce qu'on appelle dans le jargon FO utile, que doit comporter chaque tronçon de câble pour permettre de raccorder tous les abonnés et même de conserver une certaine réserve pour d'éventuels nouveaux abonnés. Alors pour ça, on va parcourir notre réseau, qui est en fait un arbre, puisqu'il n'y a pas de boucle. On va partir de chaque extrémité, puis on va cumuler le nombre de fibres nécessaires en remontant jusqu'à la source. Donc là, par exemple, on a une boîte finale qui comporte 6 abonnés à raccorder. Donc le tronçon de câble précédent doit avoir au moins 6 fibres optiques. Et puis la boîte d'avant, elle comporte 9 abonnés à raccorder. Donc le tronçon précédent doit avoir 9 plus 6, 15 fibres optiques au minimum. Et on remonte au fur et à mesure. Clairement intéressant ton script, parce que c'est vraiment une problématique dans le monde de la fibre optique que je vois souvent. Oui, et pour le coup, c'est un problème qui est assez facile à résoudre avec une requête récursive. Donc, comme nos données là ne résident pas en base, mais dans des fichiers shape, on envoie la requête dans un inline querier et le tour est joué. Donc, pour des réseaux de distribution FTTH, le calcul, ça s'effectue en quelques dixièmes de seconde et ça permet d'optimiser le dimensionnement des câbles ou de contrôler la pertinence des choix de dimensionnement qui ont été faits. Donc, faute de temps dans la présentation, on ne peut pas rentrer dans le détail de la requête, mais le principe, c'est le même que précédemment. Ok, je crois que tu m'as convaincu ce coup-ci, je vais me mettre au SQL récursif. Ça a l'air vraiment très, très puissant dans ces problématiques de réseau. Et toi, alors, qu'est-ce que tu nous présentes ? Eh bien, du coup, moi, je vais faire un peu la suite sur les performances, mais sur les jointures dans FME. C'est clairement une problématique qu'on rencontre très souvent, surtout lorsqu'on a du volume. Donc là, le comparatif se fait entre Feature Merger, hein, que vous connaissez tous, transformateur de jointure, qui a toujours existé, Inline Querier, donc que tu as présenté, qui permet de faire une base temporaire en SQLite et de requêter en SQL, et Feature Joiner, qui est le nouveau transformeur de jointure. Et on a regardé ça dans un cas d'école avec un gros jeu de données, donc on a fait varier un peu les tests entre 100 000 et 5 millions de lignes, sur lequel on menait 4 jointures en cascade, avec un filtrage pour simuler un cas concret. Alors, comment est-ce que ça se matérialise, ça, dans FME ? Alors, dans FME, si on regarde Feature Merger ou Feature Joiner, ça serait une logique similaire. Vous mettez vos transformateurs de jointure en cascade et vous faites vos jointures. Sauf que visuellement, c'est assez vilain et puis, ce n'est pas toujours facile de comprendre donc, les différentes jointures qui s'effectuent dans ces Feature Merger Joiner. Et si on regarde ça dans un Inline Querier, on se rend compte que c'est tout de suite plus intéressant, en tout cas visuellement, puisque vous branchez donc vos différentes données dans ce transformer, qui génère donc des tables et dans lequel vous pouvez faire une requête SQL pour effectuer vos jointures.
Ok. Et côté perche, ça donne quoi? Alors, si on regarde les performances, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette présentation, on voit que Feature Merger et Inline Query sont à peu près équivalents sur cette question-là, avec un petit avantage sur Inline Query sur des gros volumes, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Par contre, Feature Joiner est environ 10 fois plus rapide que ces derniers, et ça la représente une grande surprise pour nous, hein, même si Safe nous avait prévenu quand il est sorti, et après qu'il avait beaucoup travaillé sur son optimisation. Pas mal, effectivement. Bon, c'est vrai qu'Inline Query, c'est un peu décevant. Est-ce que tu crois qu'on peut faire plus rapide? Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de voir, en fait. Et pour y arriver, on a utilisé donc un writer SQLite dans lequel on a fait des requêtes SQL à la suite avec un SQL exécuteur. Et on s'est rendu compte, effectivement, que c'était encore plus rapide. Si on regarde les courbes, on se rend compte effectivement qu'on a encore gagné en rapidité par rapport au feature joiner. Et si on compare le duo de tête, donc on se rend compte que feature joiner est excellent, mais le writer SQLite permet encore de faire un gain d'un facteur 2, ce qui est encore très pertinent, surtout quand on arrive sur des volumes, vous voyez, à 5 millions de lignes, on écrase vraiment la courbe. Ouais, ça vaut clairement la peine. Donc du coup, peut-être un petit tableau de synthèse, effectivement, pour que vous puissiez choisir le bon transformer ou les transformers à utiliser en fonction de, surtout du volume, hein, en réalité, donc, et du nombre de tables. Si vous avez deux tables et un petit volume de données, on vous préconise l'utilisation de Feature Merger ou Feature Joiner. Un gros volume, eh bien, Feature Joiner, vous aurez une meilleure performance dans un traitement simple. En cas de table multiple, et pour éviter la cascade de Feature Merger ou Feature Joiner, on vous oriente sur, dans le cas d'un petit volume, hein, Inline Query pour sa clarté. Et si vous avez un gros lot de données, on vous préconise d'utiliser l'astuce d'écrire dans une base SQLite temporaire et d'utiliser à la suite un SQL exécuteur. Bah écoute, merci, ça semble très clair. Alors en conclusion, on espère vous avoir convaincu via ces quelques exemples de l'importance d'employer le bon outil en fonction de la situation rencontrée. Et plutôt qu'opposer les deux technos, FME, SQL, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de tirer le meilleur parti de leur association. Il y a beaucoup à gagner en termes de performance pour de gros volumes de données. Effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur ces questions et nous serions ravis de discuter avec vous de ces problématiques métiers, hein, pour vous assister dans le choix de la mise en œuvre des outils adaptés. Et il nous reste de vous dire merci pour votre écoute. Oui, merci à tous. Merci Alexandre qui nous a aidé à transformer la présentation de Geek en une présentation qui était un peu plus attractive, on l'espère. Et grâce à lui et à nos collègues, peut-être qu'il reste deux ou trois personnes en ligne, donc on serait heureux de répondre aux questions. À moins qu'on ait endormi tout le monde. Je crois qu'on a demandé, j'ai pu le voir, on avait demandé si on pouvait résoudre le loto en SQL, mais je crois qu'on n'a pas réussi à trouver. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Je commence tout de suite avec Pierre qui nous demande si la comparaison SQLite Feature Joiner inclut le temps de préparation de la base SQLite, c'est-à-dire le traitement entier, ou juste l'exécution de la requête. Ça inclut les deux. Ça inclut la préparation de la base, donc c'est vraiment à armes égales. On n'a pas triché. Il y a un coût de création de la base, effectivement, mais même avec ce coût-là, on est vraiment en dessous du Feature Joiner. D'accord. Xavier nous demande si vous avez effectué les mêmes tests avec Database Joiner. Alors, pour Database Joiner, il faudrait que les données soient déjà dans une base de données. Là, notre cas d'école, c'était d'avoir des données qui ne soient pas en base. Sinon, bien évidemment, il vaudrait mieux employer Database Joiner. Nous allons passer aux dernières questions. Farid nous demande s'il y a des différences entre SQL Exécuteur, donc passer la requête avec les jointures, et SQLite. Personnellement, lui, il utilise SQL Exécuteur ou SQL Creator pour les gros volumes de données. Alors, SQLite, en fait, c'est une techno de base de données. Donc, vous pouvez faire du SQL Exécuteur sur du SQLite. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, dans notre dernier cas test. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les deux. Le SQL Exécuteur, ça n'est qu'un moyen d'envoyer la requête sur une certaine techno de base de données. D'accord. Et enfin, dernière question, et il fallait bien que quelqu'un la pose. Dorian demande s'il est plus compliqué de faire la grille de Sudoku ou de faire le traitement FME qui permet de résoudre la grille de Sudoku.
Je dirais que j'étais un peu plus… Pour les premières grilles, évidemment, ça va plus vite de faire la grille à la main, mais là, maintenant, en quelques dixièmes de seconde par grille, on a regagné le temps perdu. Ben, merci Frédéric, merci Loïc. Merci à vous. Alors, nous allons quitter FME Desktop, mais nous allons retrouver plus tard dans la conférence. Maintenant, nous allons faire un détour du côté de FME Server. Alors, ergonomie, nouvelles fonctionnalités, améliorations diverses et automations. Alexandre va nous montrer quoi de neuf avec FME Server 2020. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette présentation. Dû à des problèmes techniques lors de la conférence, on a pris le parti de réenregistrer cette présentation pour un souci de clarté, de qualité audio et vidéo. Mais pas de souci, hein, ça ne changera rien à la présentation. Donc je me présente, Alexandre Bizien, je suis expert FME Desktop et FME Server au sein de VRMS, et je vais vous présenter les nouveautés liées à FME Server 2020. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FME Server, qu'est-ce que c'est rapidement ? C'est une application web qui vous permet de déposer tous vos traitements FME sur une même plateforme et d'y exécuter vos traitements. Alors c'est très pratique lorsque vous voulez mettre à disposition vos traitements à vos utilisateurs qui n'ont pas forcément FME Desktop sur leur poste. Et c'est aussi très utile lorsque vous voulez créer des automatisations, donc déclencher des traitements sur ordonnancement par exemple, ou bien déclencher des traitements à la réception d'un mail, au dépôt de fichiers sur... dans un dossier, ce genre de choses. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au support et on sera ravis de vous renseigner par rapport à ça. Donc, j'ai morcelé cette présentation en quatre parties. Tout d'abord, on va voir la refonte de l'interface. Alors, c'est une refonte très légère, mais je pensais important de vous en parler au début car c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on utilise l'application. Ensuite, on verra une petite liste de nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées à FME Server 2020. Ça concerne de manière globale l'expérience utilisateur et des options administrateurs pour améliorer la sécurité de l'application. Nous verrons ensuite, pour moi, les deux grosses nouvelles fonctionnalités de FME Server, qui sont le paramètre sélecteur des géométries, qui va nous permettre de saisir directement des emprises ou de la géométrie pour être utilisé dans nos traitements. Et enfin, nous verrons les améliorations apportées à la fonctionnalité automation de FME Server qui a été amenée l'année dernière et que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Donc la refonte de l'interface, alors rapidement, hein, c'est pas grand chose, mais ça me semblait important de vous en parler. La dernière refonte, elle date de 2017. C'était pour le coup une grosse refonte, une refonte lourde de l'application. C'est pas ce qui a été fait cette année. Ici, c'est une refonte beaucoup plus légère qui concerne les couleurs de l'application de manière générale pour avoir un truc un peu plus actuel et l'organisation des menus, le menuing, ce qu'on appelle, du FME serveur. Alors voilà, un petit comparatif dans le thème clair. Voilà, on peut voir rapidement que les couleurs sont un peu plus bleues, c'est un peu plus explicite. Sur le thème sombre de l'application, où vous voyez c'est un peu plus froid, les couleurs sont plus bleues plutôt que sépia. Ça donne un air plus actuel, plus moderne à l'application. Si on s'attarde rapidement sur les menus, on peut voir que il y a pas mal de panneaux qui ont été regroupés dans des sous-groupes. Voilà, c'est pour une meilleure utilisation de l'application, c'est un peu plus clair en fait d'avoir l'application comme ça finalement. Ça demande un certain temps d'adaptation, mais c'est très rapide. Pas de souci à ce niveau-là. Donc les nouvelles fonctionnalités de FME Server, voilà, ça va concerner l'expérience utilisateur et la sécurité de manière générale. Tout d'abord, on va voir qu'il est désormais possible d'uploader les traitements directement via l'interface. C'était chose impossible avant ça. On était obligé d'avoir un FME Desktop installé sur son poste pour uploader les traitements sur FME Server. Aujourd'hui, avec un simple glisser-déposer ou en utilisant le bouton Upload, on le voit rapidement sur la capture ici à droite, lorsque vous êtes dans vos repositories, vous allez pouvoir donc uploader directement vos traitements et les configurer pour FME Server. Ensuite, il y a eu des améliorations concernant les fuseaux horaires, notamment dans les ordonnancements. Alors, en fait,
Le problème, c'est qu'encore en 2019, lorsque vous créez des ordonnancements, des schedules, vous étiez obligé de prendre en compte le fuseau horaire de la machine sur laquelle est installé le FME serveur. En effet, c'était un peu contre-intuitif de programmer d'exécuter des traitements, par exemple à 2h du matin, pour que ce soit exécuté en fait à minuit heure française. C'était pas forcément intuitif d'utiliser ça comme ça. Aujourd'hui, il y a eu des améliorations par rapport à ça. Tout d'abord, sur la page, lorsque vous créez un nouveau schedule, vous allez être informé du fuseau horaire de la machine sur laquelle se trouve le FME serveur, et vous allez pouvoir modifier le fuseau horaire qu'il y a à utiliser. Comme ça, vous pourrez définir des heures qui seront bien plus adaptées à votre situation géographique. En fonction de où vous vous trouvez. Enfin, il est possible désormais pour l'administrateur d'envoyer des messages à tous ses utilisateurs sous la forme que vous voyez là, en fait un bandeau qui s'affiche dès la connexion à l'application. Ça permet de passer des messages à tous les utilisateurs sans devoir les contacter un à un concernant, par exemple, une maintenance des serveurs du FME serveur pour une mise à jour, par exemple, le cas le plus typique. Aujourd'hui, il est possible donc d'envoyer différents messages à tous les utilisateurs et d'utiliser des couleurs différentes en fonction du niveau de criticité de l'information, ce genre de choses. Niveau sécurité, des améliorations ont été apportées aux applications FME Server. Souvenez-vous, les applications FME Server, je vous l'avais présenté aussi l'année dernière, c'était une nouveauté donc, de 2019. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un moyen simple de créer un formulaire très minimaliste pour déclencher des traitements sans forcément avoir besoin de se connecter à l'application FME Server. C'est très pratique lorsque vous voulez mettre à disposition des traitements au grand public, par exemple, ou à des personnes qui n'ont pas forcément de compte, en tout cas sur FME Server. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous créez une application FME Server, vous étiez obligé de rendre ces applications publiques, disponibles à tous. Et ça posait problème. Ils souhaitaient avoir au moins une protection, au moins protéger ça derrière une authentification. Il est désormais possible, lors de la création des applications FME Server, de choisir, et de faire en sorte, en tout cas, d'obliger l'utilisateur plutôt à s'authentifier avant d'accéder à ce formulaire. Il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau des connexions concurrentes. Maintenant, l'administrateur va pouvoir choisir d'interdire les connexions concurrentes au même FME serveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les connexions concurrentes? C'est lorsque deux personnes, en tout cas deux postes, se connectent avec le même utilisateur sur le même FME serveur. Ça, niveau sécurité, c'est un peu moyen, notamment lorsque tout le monde utilise le compte administrateur. Voilà, en forçant les gens à utiliser, en interdisant les connexions concurrentes, on force les gens à utiliser leur propre compte, et ça permet d'avoir un niveau de sécurité un peu amélioré pour notre application. Enfin, l'administrateur va être capable d'imposer aux utilisateurs de modifier leur mot de passe à leur première connexion, et aussi d'imposer une date d'expiration au mot de passe. Donc, l'utilisateur sera obligé de modifier leur mot de passe tous les 30 jours, tous les 6 mois. Ça, c'est en fonction généralement de la criticité des données qui se trouvent sur le FME serveur en question. Mais c'est une bonne pratique de mettre ça en place lorsque vous le pouvez. Donc c'est tout pour ce listing des nouvelles fonctionnalités un peu en vrac. Maintenant, on va s'attarder sur le sélecteur de géométrie. Donc ça, c'est un moyen simple de sélectionner des emprises d'utiliser de la géométrie en paramètres publiés pour que ce soit ensuite utilisé dans nos traitements. Alors, avant ça, comment on pouvait faire pour saisir de la géométrie sur une carte pour ensuite être utilisé dans FME Server, en tout cas dans notre traitement FME? Eh bien, il fallait développer une interface à part, avoir son propre SIG, faire la saisie dans son SIG et faire en sorte que l'application SIG envoie des appels à l'API REST de FME Server. Enfin, c'était compliqué. Si on n'a pas les compétences web en question, que ça nécessite, c'est pas quelque chose simple, et ça demande du temps de développement pour simplement, entre guillemets, simplement remplir un paramètre publié de notre traitement.
Donc Safe a apporté voilà, un nouveau type de paramètre publié qui s'appelle le Geometry Picker et qui va nous permettre de faire de la saisie simplement au travers de l'interface de FME Server. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Tout d'abord, comment ça se présente dans FME Desktop. Donc, je suis dans un nouveau projet FME Desktop. Je vais mettre un créateur simplement pour pouvoir exécuter par la suite le traitement. Et donc, je vais créer un paramètre publié. Et dans les types du paramètre publié, il y a un nouveau type qui s'appelle géométrie, qui se trouve ici. C'est ce fameux paramètre en fait, qui a été ajouté. Je vais lui donner un nom pour que vous voyez comment ça se comporte. Alors, il faut bien comprendre que ce nouveau type de paramètre n'est pas exploitable directement dans FME Desktop. Là, c'est que j'exécute le traitement sur FME Desktop. Voilà, il me propose de saisir du texte. Si j'appuie sur les trois petits points qui sont à côté, pareil, il me propose de servir du texte. Donc, ce n'est pas utilisable dans FME Desktop tel quel. C'est seulement dans FME Server que ça va prendre tout son sens et que ça sera utilisable correctement. Donc ce traitement, si je le publie sur FME Server, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ça. Alors, ici j'ai un autre traitement avec deux paramètres publiés. J'ai un premier paramètre publié de connexion à une base de données. Ça ne nous intéresse pas ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce deuxième paramètre publié, emprise, qui est lui de type géométrie. Et si vous regardez bien, tout à droite de du champ en question, on a une petite icône avec une carte dépliée. Si on clique dessus, ça nous ouvre une modale, le fameux Geometry Picker, qui va nous permettre d'accéder à une carte et de faire de la saisie de géométrie directement pour notre traitement. Alors ici, je vais saisir un polygone, j'utilise l'outil de saisie de polygone, et je vais donc dessiner une forme, disons en V comme VRMS. Voilà. Et si vous regardez ce que ça a fait, en fait, ça a créé un GeoJSON qui représente ma géométrie que je viens tout juste de saisir. Ce GeoJSON, ensuite, il sera exploitable dans le traitement FME. On va être capable de transformer ce texte en géométrie et après de faire les relations spatiales que l'on veut ou faire remplir la géométrie, faire de la saisie. Donc si j'exécute ce traitement, ici on va retrouver en fait ce que j'ai fait ici, c'est une découpe des départements français que j'ai extrait, que j'ai décalé un peu afin que ce soit un peu plus compréhensible. Et vous voyez que j'ai bien du coup utilisé la géométrie que je viens de sélectionner dans le Geometry Picker pour faire la découpe en question. Enfin, nous allons passer aux automations et aux améliorations en tout cas qui ont été apportées à Automation. Alors Marguerite vous a présenté un peu plus tôt le nouveau writer, je vais peut-être vous le remontrer. Mais tout d'abord, Automation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Donc je vous l'avais présenté l'année dernière, c'est une nouveauté qui date de 2019, qui va nous permettre de créer des automatisations et des chaînes de traitement très facilement. Même pour quelqu'un qui n'est pas développeur, il va pouvoir très facilement développer des chaînes de traitement assez complexes. Ici, ce que nous voyons, c'est nous avons un premier bloc vert Directory Watch. En fait, c'est de la surveillance de dossiers. Ça nous permet de détecter lorsqu'un fichier a été ajouté dans un dossier. Et si c'est le cas, ça va déclencher la chaîne de traitement qui suit. Donc, si un fichier a été déposé, ça va déclencher le premier traitement basique 1. Et si ce traitement basique 1 finit avec succès, ça déclenchera le deuxième traitement, le traitement basique 2. Alors, le problème avec ça, c'est que on n'avait pas énormément de contrôle. Vous voyez ici, ce que j'ai encadré en rouge, ça nous montre les différentes possibilités de contrôle qu'on avait à la suite du traitement basique 1. C'est-à-dire qu'on avait le choix d'enchaîner sur un premier traitement seulement si le traitement basique 1 terminait en succès ou s'il plantait littéralement, si la transformation échouait. Ça ne nous donne donc pas assez de contrôle et on ne peut pas faire des choses peut-être pas assez complexes à notre goût. Et Safe a apporté un nouveau moyen, en tout cas une manière d'avoir plus de contrôle là-dessus, avec ces nouveaux writers automation.
qui sont désormais présents dans FME Desktop. Donc là, vous voyez que j'ai sorti quatre types d'entités pour un writer automation. Nous avons scénario 1, scénario 2, scénario 3, etc. Et dans FME Server, ça va se présenter sous cette forme. Donc là, voilà, on voit que j'ai mis le scénario contrôleur qui était le traitement qu'on voyait plus tôt dans une automation, et on voit les quatre types d'entités que j'avais sortis de mon writer automation. Et en fonction du type d'entité dans lequel l'entité va arriver dans le traitement FME, ça va déclencher le traitement correspondant à la suite. Alors ça, c'est très bien, ça va nous donner énormément de contrôle. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ça. J'ai préparé un début d'automation avec trois éléments. Pardon. un premier trigger email qui va déclencher la chaîne de traitement à la réception d'un email. Et j'ai deux traitements, un traitement de chargement de fichiers GeoJSON et un traitement de chargement de fichiers Specialite. En fait, ce que je voudrais faire ici, c'est qu'un utilisateur puisse envoyer un fichier soit GeoJSON, soit Specialite à une adresse mail, et en fonction de l'extension du fichier en question, que ça utilise le bon traitement correspondant. Donc pour ça, je vais devoir développer un nouveau traitement, un traitement contrôleur, qui va permettre de sélectionner le bon traitement à exécuter en fonction de l'extension du fichier. Alors, je vais aller dans FME Desktop. J'ai déjà commencé à préparer un traitement ici. Je vous explique rapidement ce que j'ai fait. J'ai utilisé un créateur et un paramètre fetcher pour récupérer la valeur d'un paramètre publié que j'ai défini. Là, on le voit, mon paramètre publié, c'est un paramètre publié de type texte, mais qui s'appelle fichier, et qui va servir à récupérer le nom du fichier qui est envoyé par mail. Okay, la pièce jointe du mail. Donc ici, je vais avoir une entité qui a un attribut underscore fichier et qui aura une extension soit JSON, soit SQLite. Et en fonction de ces extensions-là, on va choisir de déclencher le premier traitement ou le deuxième. Alors d'abord, je vais commencer par sortir un writer automation. Voilà, FME Server Automation. Et créer mes deux sorties correspondant à mes deux types de fichiers. Alors, je vais avoir un premier type d'entité GeoJSON. Et je vais en avoir un deuxième qui sera lui Specialite. OK. Et il me faut un moyen au milieu pour rediriger, router l'entité vers le bon type d'entité. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Ici, un simple test filter fera l'affaire. On va pouvoir dire si le nom de mon fichier se termine par .json, c'est que c'est du GeoJSON. Sinon, si mon fichier se termine par .sqlite, c'est qu'a priori c'est du Specialite. Voilà. Donc là, en fonction de l'extension de mon fichier, mon entité elle va soit sortir par .json ou par .sqlite. Et j'ai plus qu'à rediriger vers le bon type d'entité ici. Et voilà, super, j'ai terminé mon traitement contrôleur. Il ne me reste plus qu'à le publier sur FME Server. Voilà. Et on revient ici sur FME Server. Donc ici, je vais sortir mon traitement que je viens tout fraîchement de publier. Je vais l'utiliser ici à la suite de la réception d'email. Je vais choisir comme action exécuter un traitement dans la repository conférence. Et le traitement, c'est chargement contrôleur. Alors vous vous souvenez, hein, j'avais dit qu'il y avait un paramètre publié fichier. Il faut que ce paramètre fichier soit alimenté par quelque chose. Ici, la pièce jointe, en tout cas le nom du fichier mis en pièce jointe du mail. Donc je vais sélectionner ici dans email, email attachment, donc la pièce jointe du mail. Et c'est ça qui va alimenter ce paramètre publié. OK, très bien. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici mes deux types d'entités, mes deux
sortie automation que j'ai définie plus tôt dans FME Desktop. Et donc, si c'est du GeoJSON, je vais dire que je vais charger le fichier GeoJSON, enfin en tout cas, je vais utiliser le traitement de chargement de fichier GeoJSON, et si c'est du Specialized, utiliser le traitement correspondant. Il faut que quand même que je paramètre ces traitements qui ont aussi un paramètre publié. Et si vous regardez dans mon traitement FME, ici j'ai des attributs qui sont écrits au niveau de mes types d'entités. L'attribut, c'est le nom du fichier en question à uploader, à charger en tout cas. Et ben, je vais pouvoir utiliser la valeur de ces attributs directement dans Automation. Donc là, je vais dire, voilà, le fichier à charger, c'est en fait la valeur que je retrouve dans GeoJSON fichier. C'est la valeur de l'attribut fichier qui est dans l'entité qui sort par ce type d'entité. Et je vais faire la même chose dans le chargement Specialized. Voilà. Et j'ai plus qu'à démarrer l'automation. On va tester ça tout de suite. Alors, j'ai préparé normalement un jeu de données à charger ainsi qu'un mail. Voilà. Donc là, j'ai un mail que je vais envoyer à data at v2020-vmsfmecloud.com. C'est l'adresse mail qui est utilisée dans ce bloc-là. Et je vais lui donner donc un jeu de données. Ici, un jeu de données JSON. Disons, hop, en pièce jointe. Et je vais pouvoir envoyer tout ça. Je l'envoie sans sujet, c'est pas important ici. Et normalement, ça va aller très vite. On peut aller tout de suite voir les différents traitements qui ont été exécutés pour cette automation-là. Et si on regarde, voilà, aujourd'hui à midi 22, c'est l'heure actuelle, hein, on a donc ces deux traitements qui ont été exécutés. D'abord le chargement contrôleur, qui est mon traitement contrôleur qui permet de rediriger vers le premier traitement ou l'autre. Et ça a bien été détecté que c'était un fichier JSON. Donc il a bien utilisé le traitement de chargement de fichier JSON, le traitement correspondant. Vous aurez par la suite une démonstration d'un cas beaucoup plus concret par mon collègue Romain. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Voilà pour cette amélioration de cette nouveauté du menu Automation. Peut-être simplement donner une petite note par rapport au fait que ces évolutions elles sont inspirées du travail de Gregor Hope et Bobby Wolf et de leur livre Enterprise Integration Patterns, qui est un livre qui résume des méthodes d'architecture applicative et qui est assez reconnu dans ce milieu-là. Donc il est bon de savoir que FME Server maintenant supporte certains de ces modèles d'intégration. Je vous laisserai vous intéresser à ce livre de votre côté si ça vous intéresse. Merci à tous pour votre attention et je vais laisser place aux conférences suivantes. Merci Alexandre. Nous allons passer aux questions. Première question de Augrélier qui nous demande, au niveau de la gestion des mots de passe, un lien avec l'Active Directory est-il possible ? Oui, tout à fait Alexandre. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais il est tout à fait possible de connecter sa base d'utilisateurs FME Server à un Active Directory, et donc importer des utilisateurs depuis l'Active Directory directement. Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Pierre nous demande quant à lui, est-ce que FME Server permet de remplacer le task scheduler de Windows, par exemple en permettant de lancer également des scripts Python, PowerShell, etc. Alors bonjour Pierre. Alors oui et non, il va être capable effectivement de remplacer le task scheduler, mais seulement pour les traitements FME. Dans un traitement FME, on peut effectivement mettre du script Python, mais on ne va pas pouvoir mettre une ligne de commande. On ne va pas pouvoir exécuter des fichiers batch par exemple, hein, des fichiers shell directement avec FME Server. Il faudra passer par un traitement FME à chaque fois. Alors le temps de partie nous manquant, nous passons directement à la dernière question. Y aura-t-il une localisation française de FME Server ? Oui, tout à fait, Alexandre. Il va y avoir une francisation de FME Server. Bon, on n'a pas de date à donner pour le moment, mais ça arrive très bientôt et on espère le plus tôt possible.
Bon, merci Alexandre. Pas de quoi, bonne journée, bonne conférence. C'est donc au tour de Romain qui va nous présenter Automations et FME Server pour de la mise en pratique, et c'est-à-dire du contrôle qualité de données automatisées. Romain, c'est à toi. Rebonjour. Romain Baumet, donc du service FME de VRMS. Donc j'ai pas de guitare hein, pour faire de la musique et j'ai pas non plus de vin à vous offrir, mais on va essayer de s'amuser un petit peu avec FME Server. Donc nous allons développer une chaîne de contrôle qualité en utilisant le logiciel Caligeo. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter l'application Caligeo dédiée au contrôle qualité. On passera ensuite aux objectifs que nous souhaitons mettre en place, à savoir le contrôle et l'intégration de données dans une base. Et enfin, nous présenterons le résultat de l'automation, donc le résultat souhaité. Caligeo est une application dédiée au contrôle qualité de données géographiques qui repose sur le logiciel FME. Elle est utilisée dans divers domaines d'activité, que ce soit la topographie, l'urbanisme ou bien la gestion de réseau. Elle fonctionne en trois temps. La définition de contraintes, à savoir des règles qui peuvent provenir de standards nationaux tels que ceux du CNIJ ou de la COVADIS, ou bien de chartes graphiques internes. On a ensuite une étape de contrôle des données et enfin une analyse des erreurs rencontrées. En ce qui concerne les contraintes, on va retrouver l'ensemble des règles à respecter pour qu'un jeu de données soit conforme. À l'intérieur, on va avoir, par exemple, des domaines de valeur à respecter, des contraintes d'unicité ou bien des relations spatiales. Nous allons ensuite déposer un jeu de données pour le confronter par rapport à ces règles de contraintes. C'est ce qu'on appelle le contrôle dans Caligeo. Et comme ça exploite les capacités des FME, on est en mesure de contrôler des données dans des dizaines de formats différents, qu'ils soient géographiques ou non. Pour terminer, cela va déboucher sur l'analyse des erreurs. On aura à ce moment-là la possibilité d'exporter les erreurs dans des formats géographiques ou non, et également la possibilité de générer des rapports d'erreurs, que ce soit au format Word, PDF ou HTML. Alors passons aux objectifs que nous souhaitons mettre en place sur FME Server. Donc Caligeo, on le voit, il est déjà capable de faire un contrôle qualité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un contrôle qualité dédié au plan topographique et on veut coupler les capacités de Caligeo pour le contrôle à celles d'FME Server en ce qui concerne l'automatisation du processus. Donc, pour présenter très rapidement ce qu'il y a dans Caligeo, donc là, je suis dans l'application Caligeo. Nous avons un schéma de contraintes nommé DWG Automation qui contient l'ensemble des règles à respecter pour valider nos plans topographiques. Donc on a à l'intérieur, par exemple, les différents noms de calques attendus ainsi que des géométries à valider. Donc nous souhaitons démarrer le processus en transmettant un mail à FME Server avec le fichier DWG en pièce jointe. Ça sera donc la source du traitement. Seconde étape, ça déclenche le traitement, le projet FME est alors exécuté. Nous aurons deux cas de figure possibles, soit le plan contient des erreurs, il n'est pas valide suivant les spécifications Caligeo, soit il est jugé conforme. S'il contient des erreurs, on veut savoir quelles sont les erreurs rencontrées. Nous allons donc déclencher le traitement FME permettant de générer le rapport d'erreur HTML. Second cas de figure, le plan est jugé valide, très bien. Je veux charger le plan DWG dans une structure de données Postgre PostGIS. Pour synthétiser, nous allons déclencher le traitement à la réception d'un mail. Soit le plan est valide, alors nous l'intégrons dans une base, soit le plan n'est pas conforme et à ce moment-là, on génère un rapport d'erreur. Au total, nous avons affaire à trois projets FME, dont deux étant inclus dans l'application de Caligeo et un troisième indépendant. Alors juste avant de passer à l'automation sur FME Server, il faut bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur du traitement qui effectue le contrôle, donc à l'intérieur du traitement FME Desktop. Donc nous avons utilisé le nouveau format Automations afin de distinguer les types de plans. Nous avons fait deux sorties, une dans le cas où des erreurs sont rencontrées dans le plan, et l'autre pour lequel il n'y a pas d'erreur.
Donc, ces deux ports de sortie, comme ça a été présenté tout à l'heure, nous les retrouvons lorsque nous ouvrons le projet sous la forme de ports, donc avec erreur, sans erreur. Nous avons également la possibilité de stocker des informations à l'intérieur sous la forme d'attributs. Dans notre cas, nous stockons le nombre d'erreurs ainsi que l'identifiant du contrôle. Alors, nous allons passer à la présentation de l'automation sur FME Server. Donc, nous allons démarrer avec une nouvelle automation qui commence par un trigger. Donc, c'est l'élément qui va déclencher la chaîne du traitement. Donc, nous souhaitons déclencher le traitement à la réception d'un mail. Je dois donc configurer les paramètres de mon mail. Suite à cela, nous allons effectuer l'action du contrôle. Donc, je connecte une action. On a plusieurs possibilités dans FME Server. Nous, on va se concentrer sur l'exécution de traitement FME. Nous avons créé un répertoire dans FME Server Caligeo pour l'occasion qui contient les trois projets FME dont nous avons besoin. Donc, je vais choisir pour commencer d'exécuter le contrôle sur les données. À ce moment-là, vont s'afficher en bas les paramètres publiés de mon traitement, à savoir le nom du schéma de contrainte que nous avons créé dans Caligeo, hop là, automation, et le jeu de données source. Donc le jeu de données, on l'a dit, il provient du mail, et donc la possibilité d'aller récupérer la pièce jointe. Je valide, et nous retrouvons alors les deux ports de sortie différents. Cela me permet d'effectuer une première action dans le cas où il y a des erreurs, et une seconde action dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur rencontrée, je veux déclencher un deuxième traitement FME dont la mission est d'effectuer le chargement dans ma base de données. On me demande encore quel est le fichier source, donc c'est toujours celui qui provient de ma pièce jointe. Donc, pour ce traitement, c'est à peu près OK. Et deuxième cas de figure, s'il y a des erreurs qui sont rencontrées, eh bien, cette fois-ci, on va générer un rapport d'erreur HTML. Quel est le répertoire destination? Ici, on va aller pointer vers un répertoire que nous avons créé au préalable dans FME Server et qui contient déjà quelques résultats. À noter, l'horodatage est présent sur le nom du fichier et ça va nous servir juste ensuite. On me demande l'identifiant du contrôle. Donc, cet identifiant, c'est un numéro qui est créé automatiquement à chaque fois que le contrôle est exécuté. Donc, ça s'incrémente automatiquement. Mais je ne le connais pas à ce niveau-là. Comme je ne le connais pas, je l'ai stocké à l'intérieur de mon port de sortie avec erreur que je vais pouvoir retrouver ici dans Workspace, le port de sortie avec erreur et l'attribut qui contient l'information dont j'ai besoin. Je valide. Une nouvelle fois, le mode automation est utilisé dans FME Desktop, le format, afin de récupérer le nom du fichier, ce qui va me permettre, pour finaliser mon flux, d'envoyer un mail à mon utilisateur. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Moi, je choisis de transmettre un mail à mon utilisateur. Alors, pour gagner un petit peu de temps et éviter de remplir les paramètres de messagerie, je vous propose de regarder l'automation qui est terminée et commentée. Et si je me rends dans l'action pour envoyer un mail, nous allons, hop là, donc outre les paramètres de messagerie, nous allons avoir la possibilité d'intégrer une pièce jointe. Donc à ce moment-là, on récupère le fichier que nous venons de créer. Nous avons également la possibilité d'éditer le corps du mail en HTML pour avoir de meilleurs rendus. Dans le cas où le chargement est effectué avec succès, nous envoyons également un mail pour informer l'utilisateur de la bonne exécution du traitement. Alors, nous allons tester l'automation en envoyant donc un mail à FME Server. Donc, je vous propose de transmettre un plan qui contient des erreurs. Puis, un second mail, toujours à FME Server, avec cette fois-ci un plan que nous avons contrôlé au préalable et qui est valide.
deux mails sont envoyés à FME Server, donc le flux va être exécuté deux fois. Normalement, dans le premier cas, il y a des erreurs, donc on va être sur le flux supérieur de traitement. Et dans le second cas, on devrait être sur celui du bas avec le chargement en base. Donc, nous avons la possibilité de suivre les traitements qui viennent d'être exécutés via l'automation. Et voilà, donc le travail est déjà fait. Donc le contrôle a été exécuté, puis le rapport HTML car on avait des erreurs. Le contrôle est exécuté une seconde fois, le deuxième plan qui arrive. Et cette fois-ci, on a une intégration des données en base. Alors, pour aller au bout du processus, je devrais avoir reçu un mail, voilà, même deux mails. Donc le premier pour lequel le plan n'est pas valide. Donc j'ai un petit message qui m'en informe. Et surtout, je télécharge le rapport d'erreur qui a été généré. Donc à l'intérieur, on va voir quelques métadonnées sur le contrôle effectué, une cartographie sur laquelle on va pouvoir zoomer et cliquer pour avoir plus d'informations sur les erreurs rencontrées, quelques statistiques et enfin le détail des erreurs rencontrées. Deuxième cas de figure, le plan est valide, il a alors été chargé en base et à ce moment-là, j'ai un mail me confirmant le chargement du plan. Alors, je vais terminer sur quelques conclusions, surtout au niveau de l'apport de l'automatisation avec FME Server. Donc, CaliGeo permet déjà de contrôler les données, mais pas de façon automatique. Donc ici, j'ai noté autonomie des utilisateurs, c'est-à-dire que la personne qui crée le plan, elle n'a pas besoin de contacter la personne administratrice de CaliGeo pour effectuer son contrôle, etc. etc. Donc, on va limiter les échanges et être très rapide dans les temps de réponse. Donc là, je dépose un plan par mail. Quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ensuite, je vais obtenir mon résultat. Ça permet de rendre accessible un traitement complexe, et ce, à deux niveaux. Donc la personne qui va créer la chaîne de traitement sur FME Server, eh bien, elle va être très guidée. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Et au niveau de l'utilisateur final, bah, pas besoin de connaître ni FME, ni CaliGeo, ni FME Server. J'envoie mon plan, je reçois ma réponse. Enfin, c'est personnalisable. Ici, on a souhaité faire un traitement de contrôle et d'intégration en base, mais on peut imaginer de travailler sur les thématiques que l'on veut et utiliser les projets FME d'un autre domaine. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère avoir été assez clair et n'hésitez pas du coup s'il y a quelques questions. Merci Romain. Alors nous allons passer à 5 minutes de questions-réponses. Première question de Steph qui nous demande si on peut interfacer CaliGeo avec GTF. Alors avec GTF, ça existe déjà. On n'a pas le mode d'automation, donc c'est une autre logique, mais on a la possibilité via GTF de lancer les traitements de contrôle CaliGeo et également de recevoir des réponses, soit un rapport HTML et des réponses par mail. Donc il y a déjà des choses qui existent côté GTF, mais la logique est différente. C'est un projet qui va déclencher tous les autres. Vous avez cité les standards CNIJ-COVADIS. Est-ce que des schémas de contrôle CaliGeo sont déjà disponibles pour certains de ces standards? Alors, nous proposons quelques standards, à savoir la carte communale, le PLU. Nous avions également travaillé sur le standard GRASS-THD, sur le PCRS également. Donc oui, on propose des formats prédéfinis dans CaliGeo. Sachant que des formats sont aussi disponibles en téléchargement sur VSTOR. Donc, vstore.vms.net. Oui, en effet. Ouais. Autre question, peut-on paramétrer CaliGeo pour le contrôle d'un jeu de données particulier où la solution ne contrôle-t-elle qu'un nombre de modèles de données déterminés? Alors, je ne sais pas bien si c'est au niveau des spécifications ou au niveau des formats la question. Les schémas de contraintes, on peut en faire autant qu'on veut suivant les données que l'on a à contrôler. Au niveau des formats, on va avoir accès aux différents formats qui sont supportés par la version FME que l'on utilise. Donc, je ne sais pas si je réponds correctement à la question ou à côté de la plaque. Mais... D'accord.
Augrélier demande s'il est possible que le mail de plan non valide soit envoyé à une autre personne que celle qui a créé le plan. Alors, pour la démonstration, c'est moi qui envoie, c'est moi qui reçois. Après, on va avoir des gestions d'utilisateurs sur FME Server. Et généralement, on va plutôt envoyer soit à l'administrateur, soit à un groupe d'utilisateurs les résultats. D'accord. Nous retournons sur LGO, la conception des schémas de contraintes, où Jérôme nous demande, peut-on créer nos propres standards ou en implémenter comme RAE, PA, réseau d'eau? Alors, oui, on a tout à fait la possibilité. Donc, à partir du moment où on a les spécifications, finalement, ce que l'on fait, nous, quand on en propose, que ce soit pour le PLU, par exemple, mais que ce soit pour d'autres thématiques, on retranscrit les spécifications des standards dans CaliGeo. Donc finalement, on peut retranscrire une charte graphique interne, on peut retranscrire un standard national si on préfère. On retranscrit à partir du moment où il y a des choses à valider au niveau attributaire ou au niveau spatial. Très bien. Et je vois arriver donc l'une des dernières questions. CaliGeo est-il accessible en local comme FME Desktop ou doit-on obligatoirement disposer de FME Server? Non, CaliGeo, c'est bien une application desktop, donc comme FME Desktop. On n'est pas obligé d'utiliser FME Server. Ici, l'exemple, ça a été pour déployer une solution, donc pas se limiter à une utilisation client lourd, mais pouvoir rendre accessible un traitement à un plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est une possibilité de combinaison pour avoir plus de possibilités. D'accord. Merci pour tes réponses, Romain. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et nous passons maintenant à ce qui est déjà la dernière présentation de la conférence. Alors, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Et je ne dis pas ça parce que c'est le patron. Olivier, qui va nous présenter une toute nouvelle extension Made in VRMS pour FME. Une nouvelle extension qui va vous permettre de voir vos données autrement. Olivier, c'est à toi. Merci Alexandre et merci pour ce lancement remarquable. Vous demandez de démarrer votre vidéo. Oui, ok, super. Donc, vous pouvez m'admirer, ce qui est un privilège que dont je vous envie. Rebonjour. Donc, vous devez voir mon écran, vous m'entendez, vous me voyez, c'est super. Rebonjour, donc je suis de retour pour vous parler de GraphBuilder. C'est un nouveau produit que je vais dévoiler aujourd'hui pour la toute première fois et qui devrait permettre de faire rentrer les graphes, le monde des graphes dans FME. Donc GraphBuilder, c'est une extension développée par l'équipe de VRMS qui permet d'ajouter de nouveaux formats, de nouveaux transformers dans FME Desktop et FME Server. L'objectif de GraphBuilder est d'assurer la représentation graphique des graphes. Et d'abord, qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, c'est tout simplement une structure de données permettant de décrire des relations entre des objets. Pour obtenir un graphe, c'est très simple. Il suffit d'identifier des objets dans un jeu de données et de les appeler des nœuds. Il suffit de même d'identifier des relations entre ces objets et de les appeler des arêtes ou des arcs. Voici un premier exemple de graphe très simple, composé de 4 nœuds, avec 2 noms de personnes et 2 noms de villes, et de relations entre ces nœuds. Julie habite Paris, elle habite aussi à Toulouse, et puis Paris est relié à Toulouse par l'autoroute A20. Les graphes ont des caractéristiques, des propriétés mathématiques très intéressantes, mais ce qui nous intéresse dans GraphBuilder, c'est leur représentation graphique. GraphBuilder doit nous permettre de passer d'une représentation formelle telle que vous la voyez sur la gauche avec des nœuds et des arêtes à une représentation graphique telle que vous la voyez sur la droite. Que fait l'extension GraphBuilder? Alors, tout d'abord, elle vous permet de générer des graphes et ce à partir de l'ensemble des formats disponibles dans FME. Donc, je crois qu'il y en a plus de 500 puisque tous les formats sont éligibles à définir des graphes ou à contenir des graphes, qu'il s'agisse d'images, de 3D, de données vectorielles, de bases de données, de texte ou autre. Ce graphe, on va pouvoir les représenter graphiquement. Vous allez également pouvoir les stocker. Pour ça, nous proposons un nouveau format en lecture et en écriture qui s'appelle le GraphML, qui est totalement dédié
l'extension, l'exploitation des graphes. Donc, c'est pas un format propre à VRMS, c'est un format tout à fait ouvert et standardisé. Nous proposons également en lecture un autre format qui s'appelle le New Week, dont je vous parlerai tout à l'heure dans des cas d'utilisation. Une fois que vous aurez généré ces graphes, vous allez pouvoir utiliser un transformer qui s'appelle Graph Layouter, qui va permettre de positionner des nœuds, donc leur attribuer des coordonnées, ce qui permet de les localiser sur un plan, et puis de leur attribuer une symbologie. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple précédent, où Julie était représentée par un rectangle vert avec une étiquette dessus. Je propose de passer tout de suite à un premier exemple, celui d'un réseau télécom de type FTTH. Je ne reviendrai pas sur l'explication magistrale qu'a pu en faire tout à l'heure Frédéric, il a tout dit. Voici une représentation cartographique du réseau que nous allons traiter. Et voici une représentation plutôt en base de données correspondant au stockage de ces informations. Donc, vous pouvez voir que cette base de données est constituée de deux types d'entités, des boîtiers et des câbles, les câbles reliant les boîtiers. Ce que je vous propose, c'est de créer avec vous, avec GraphBuilder, un nouveau type de représentation, une représentation graphique du graphe associé à ce jeu de données. Alors, pour ça, la première chose à faire, c'est d'identifier les nœuds et les arêtes de ce jeu de données. On va associer tout simplement les boîtiers à des nœuds et les câbles à des arêtes, puisque les câbles relient les boîtiers entre eux. La suite se passe sur FME. Donc, j'ai préparé un projet FME qui est là pour aller plus vite. Et on retrouve les deux types d'entités dont je viens de vous parler, les boîtiers et les câbles. Je vais rajouter ici un premier transformer qui provient de la suite GraphBuilder, qui est rajouté lorsque vous avez installé GraphBuilder sur votre poste. Ce transformer s'appelle GraphFormateur. Il vous permet de créer un graphe à partir d'une source de données que vous allez considérer être des nœuds et une source que vous allez considérer être des arêtes. En paramètres, il faut tout simplement indiquer l'identifiant des nœuds, l'identifiant des arêtes, l'identifiant des nœuds origine des arêtes et des nœuds destination ou extrémité. Voilà, c'est fait. Votre graphe est créé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout la représentation graphique du graphe. Et pour ça, on va utiliser le deuxième transformer dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Graph Layouter, avec mon anglais remarquable. Ce Graph Layouter, il faut également lui fournir un certain nombre d'informations. La première étant le type de représentation graphique, donc d'algorithme qu'on va utiliser pour localiser, pour attribuer un positionnement à chacun des deux. Dans cet exemple-là, je vais prendre l'arbre optimisé. Et puis, autre information indispensable, je dois l'alimenter avec un fichier de configuration qu'on appelle un layout file, qui va permettre de définir la symbologie attribuée à chacun des nœuds, chacune des arêtes. Voilà, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à alimenter mon jeu de données destination en écriture, en l'occurrence un jeu de données PDF. Donc, il y a trois types d'entités qui sortent de Graph Layouter. La représentation graphique des nœuds, représentation graphique des arcs, et background, c'est tout simplement le cadre qui contient l'ensemble, qui est là uniquement pour faire joli. Je lance le traitement, et en même temps, je vais me localiser dans le répertoire résultat pour être prêt à intervenir. Voilà, le jeu de données a dû être créé là, il est 11h14, oui, c'est bon. Donc, voici le résultat qui n'est pas celui qui est attendu, mais ce n'est pas très grave. Je n'ai pas représenté. Allez, on va se faire. Enfin, je vais juste modifier ici le type de représentation des arêtes pour l'avoir arrondi. C'est un peu plus joli. C'est une coquetterie de ma part. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, je relance, ça y est, le résultat est prêt. Boum, boum, voilà. Donc, c'est pratiquement la même chose.
Donc le résultat que vous voyez là sous vos yeux est ce qu'on appelle un synoptique, donc une représentation graphique du graphe associé au notre jeu de données. Il diffère sensiblement de la représentation cartographique que vous connaissez. Bien sûr, il n'a pas été créé en s'appuyant sur les coordonnées des objets, donc c'est une représentation complètement arbitraire, mais qui a un certain nombre d'avantages. Donc, je vais zoomer ici. On voit tout à fait très rapidement le point d'entrée du réseau de distribution, qui est un objet de type NRO, qui va ensuite sur un SRO, etc. On peut associer dans ce document des représentations graphiques, des cercles, des épaisseurs de traits, définir des labels, etc. Un des gros avantages par rapport à la représentation cartographique, c'est que vous voyez immédiatement les points d'entrée du réseau et vous voyez très bien aussi les différents éléments, notamment les arêtes dans ce cas d'utilisation. Si vous avez plusieurs câbles qui sont dans le même fourreau, dans la même tranchée, géographiquement, il va être très difficile de les distinguer sur une carte. Alors que là, la différence va apparaître de manière véritablement explicite. Donc un mot sur Graph Layouter, donc le transformer qui permet de faire cette représentation graphique. Il permet à la fois d'assurer la localisation des objets, des nœuds, en utilisant un certain nombre d'algorithmes. Donc pour l'instant, on n'en a implémenté que quelques-uns. Le nombre d'algorithmes a vocation à croître en fonction des besoins. Et puis, il va s'appuyer sur un fichier de définition de la symbologie qu'on appelle le layout file, qui est défini en JSON. Ce fichier, c'est vraiment l'équivalent du point map, du point lire, du point QGIS que vous utilisez avec votre logiciel de cartographie favori. Il permet, comme dans ces différents logiciels, d'assurer à la fois la classification des objets, donc d'attribuer une classe à chaque arête, et aussi d'attribuer une symbologie. Vous allez pouvoir associer, donc définir ce qu'on appelle des boîtes, des rectangles, des cercles, intégrer des images dans le résultat, en fonction disponible en fonction du format de sortie, bien entendu. Exploiter des symboles vectoriels, définir des labels, des étiquettes, définir des lignes aussi. Un petit mot, il est intéressant de noter que les symboles vectoriels, vous pouvez les dessiner par vous-même, ou plus simplement, vous pouvez récupérer des librairies telles que vous pouvez en trouver, telles que celles de Icommon, par exemple. Ce sont des librairies SVG, mais nous proposons un utilitaire qui permet de les convertir grâce à FME en JSON, JSON étant le format de nos librairies de symboles vectoriels. Je vous propose maintenant quelques cas d'utilisation permettant d'illustrer l'usage du Graph Builder. Tout d'abord, dans le domaine des réseaux. Alors, on ne va pas aller très loin, on ne va pas s'éloigner de l'exemple précédent. C'est le même jeu de données sources. La grosse différence, c'est que le résultat est généré au format Excel. Donc, c'est un arbre qu'on va pouvoir représenter au format Excel. C'est un résultat qui peut paraître étrange, mais qui est largement utilisé dans certains domaines techniques et qui consiste à représenter les nœuds sous forme de cellules, d'une ou plusieurs cellules, et de dessiner les arêtes à partir de bordures de cellules. Vous voyez un exemple là. Je pense que je peux vous montrer l'exemple réel ici. Voilà, donc là, on est au début du réseau, le NRO, et puis vous avez la représentation graphique qui apparaît ici. Donc, vous allez pouvoir attribuer des couleurs, des épaisseurs de traits, de tiretés, etc., en fonction des caractéristiques du réseau, du nombre d'abonnés, de l'épaisseur des câbles, etc. Autre cas d'utilisation qui est plutôt destiné à vous montrer qu'il y a des graphes partout. Et puis aussi à illustrer le support des images par Graph Builder. Le jeu de données sources qu'on va utiliser permet de décrire des espèces. Dans la colonne F, vous voyez un certain nombre d'espèces qui sont décrites. Dans la colonne G, vous voyez des liens vers des images. Et puis les colonnes précédentes permettent de définir les relations, la classification taxonomique de chacune de ces espèces.
Alors, avec GraphBubbler, on peut transformer une représentation de ce type en graphe, puis en graphique, ce qui permet de donner une représentation de ce type en PDF. PDF que je n'ai pas ouvert. 2K Biotri. Voilà. Voilà un type de représentation. Donc là, vous avez l'arbre. Et puis, vous avez la possibilité donc, d'intégrer des images directement dans votre PDF. Non, mince, je suis revenu là. Voilà. Autre cas d'utilisation, la génétique. Alors, ce n'est pas vraiment notre spécialité, mais nous avons voulu nous attaquer à un sujet d'actualité, le COVID-19, en réalisant le cladogramme du coronavirus SARS-CoV-2 qui nous embête actuellement. Un cladogramme, c'est un diagramme qui permet de représenter la filiation entre des organismes vivants, vivants ou pas vivants, entre des organismes en tout cas. Donc, nous sommes partis de la description des 5700 souches virales qu'on a considérées comme des nœuds, qui ont été fournies sur un site, vous avez la référence sur l'écran, d'un format qui s'appelle le NewWeek. Vous pouvez regarder les spécifications, c'est assez complexe à lire. Donc, on a intégré, on a développé un nouveau reader à cette occasion et on a généré un document en format AutoCAD pour représenter cette filiation. Alors, voilà, vous devez le voir ici. Alors, ce n'est pas très lisible à première vue parce qu'il y a quand même beaucoup de souches. Je vais faire un zoom sur ce qu'on appelle le patient zéro, le premier cas qui a été identifié à Wuhan et qui a donné par la suite naissance à tout un tas de nouvelles souches correspondant à des mutations. Donc, il y a quand même beaucoup de mutations de ce virus. Alors, n'ayez pas peur, hein, ce sont des mutations qui sont très minimes. D'ailleurs, dans les données sources qu'on peut récupérer avec FME, il y a le taux de changement, ce qu'on appelle la déviation, par rapport au génome initial. Ça vous intéresse, bien entendu, on est à votre disposition pour vous fournir les informations vous permettant de générer ce type de document. Réseaux sociaux. Donc, le schéma que vous voyez là, l'image correspond à un sociogramme généré par GraphBuilder. Un sociogramme, c'est un diagramme qui permet de décrire les relations d'une personne avec son environnement social. Bon, l'exemple que vous voyez peut être construit en connectant FME, un serveur de messagerie IMAP, donc pour récupérer les entêtes des emails envoyés et reçus par la personne, par ce compte, sur une période donnée, et générer un diagramme de ce type. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'aurais dû préparer. Social, voilà, c'est là. Donc, vous avez ici l'adresse mail du compte qui a été analysé. Comme il s'agit de la mienne, que je ne voulais pas vous montrer tous mes correspondants, l'ensemble a été anonymisé. Mais le principe est que, vous voyez, en PDF, on peut générer des infobulles. Donc, tout simplement, si vous voulez savoir quelle est l'adresse du lien associé, il suffit de faire passer son curseur sur l'écran. Autre cas d'utilisation informatique. On peut représenter avec GraphBuilder un annual DAP. Un annual DAP, c'est un arbre. Un arbre, c'est par définition un graphe. Et donc, on peut faire une représentation de ce type qui permet d'illustrer l'utilisation des symboles vectoriels dont je vous parlais tout à l'heure. Le fichier d'origine, il doit être là. Voilà, donc ça c'est la même chose. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec GraphBuilder. Voilà. En utilisant bien sûr les symboles vectoriels qui vous intéressent. Le produit n'est pas encore disponible, mais il le sera bientôt. Donc, c'est un produit commercial qui va bénéficier d'un support technique et d'une maintenance.
vous invite à contacter notre service commercial pour avoir plus d'informations à ce sujet. Nous pensons qu'il sera disponible en évaluation au mois de juin 2020. Nous en servons déjà dans certains cas d'utilisation. Et il est déjà en production en partie. Vous pouvez également demander des informations à notre support technique. Il est à noter qu'une partie de la technologie développée pour GraveBuilder sera disponible sous forme de licence libre ou en tout cas sera disponible gratuitement. On n'a pas encore tranché sur le type de licence. Il sera disponible gratuitement sur les plateformes VStore et FME Hub. Je pense notamment au Reader Newick et au Reader et au Writer GraphML. Et sans doute d'autres outils. Voilà, j'espère que vous avez pu juger par la diversité des cas d'utilisation et des résultats. Je viens de vous présenter que GraphBuilder ouvre un accès à un monde nouveau, difficilement exploitable jusqu'à maintenant par les utilisateurs de FME. Ce monde des graphes qui s'intéresse plus aux relations qu'aux objets eux-mêmes permet un regard différent sur les données, pas forcément plus juste, mais plus adapté à certains usages. Nous sommes chez VRMS convaincus de l'intérêt de cette approche et nous savons que nous ne sommes qu'au début d'une démarche qui va se poursuivre pendant sans doute assez longtemps. Alors nous maîtrisons, je pense, au moins en partie l'approche théorique. Nous maîtrisons également les développements. Par contre, il nous manque les cas d'utilisation qui feront de GraphBuilder un produit répondant véritablement aux attentes de chaque utilisateur. C'est pourquoi je vous demande à tous ceux qui sont intéressés par la gestion des graphes, de nous contacter, de nous soumettre leurs cas d'utilisation. Nous avons besoin de vous. Voilà. Merci de votre écoute. Avant de terminer et de vous repasser la parole, je voulais juste remercier l'équipe de développeurs, théoriciens, stagiaires, etc., tous ceux qui ont travaillé sur le produit. Il y en a bien d'autres aussi. Toute l'équipe de VRMS a donné son avis à un moment ou à un autre. Je tenais à les remercier, plus particulièrement les développeurs qui sont présentés ici. Voilà, je vous remercie. Merci, Olivier. Alors, nous avons pas mal de questions sur GraphBuilder. Première question d'Olivier, GraphBuilder peut-il représenter les réseaux informatiques, donc non géolocalisés? Oui, mais c'est vraiment le cas d'utilisation qui a pu être mis en œuvre avec LDAP. Oui, oui. Il faut vraiment partir du principe que justement les graphes permettent d'avoir une représentation graphique d'objets qui sont non localisés. Je dirais même que pour l'instant, on ne sait pas quoi faire des coordonnées. Alors, ça viendra. Peut-être, sans doute, on pourra les exploiter pour faire du pseudo-géographique. Mais le principe et l'intérêt des graphes, c'est justement de pouvoir représenter graphiquement des données non spatiales. Guillaume demande si on voit des utilisations possibles dans le domaine des routes, et si oui, si nous avons quelques exemples. Alors, l'utilisation évidente, c'est celle de parcours routiers de calcul d'itinéraire. Ça, c'est clair. Après, est-ce que les graphes vont apporter quelque chose pour la représentation cartographique? Ce n'est pas évident. Je pense que les outils cartographiques sont bien adaptés à ça. Je dirais que j'ai plutôt envie de poser la question à Guillaume, c'est ça. Voilà, quels sont vos besoins? Si vous avez des besoins, on trouvera une solution pour répondre. Mais a priori, oui, les réseaux routiers sont des graphes. Ce sont des objets très intéressants pour exploiter les graphes. Très bien. Yannick demande si on peut faire des MCD avec cet outil, donc MCD pour modèle conceptuel. Oui. Si vous avez un modèle si vous avez des données décrivant votre MCD, ça doit être possible. Pas forcément simple, mais ça doit être possible. Il faut déjà avoir le modèle de données en entrée. C'est peut-être un peu compliqué. Je pense qu'il y a des outils qui font ça automatiquement. Mais en théorie, oui. Trevet nous demande si GraphLinuter fonctionne sans JSON de symbologie et si on applique une symbologie par défaut. Non, oui. Alors, il y a un modèle JSON standard par défaut qui permet de générer une représentation graphique qui marche dans tous les cas. Qui n'est pas belle, mais qui marche dans tous les cas. Mais dans tous les cas, il faut un fichier JSON. François se demande s'il est possible d'associer les deux types de représentations, géographique et synoptique, en maintenant le lien entre les deux,
D'un exemple, si je clique sur un boîtier dans le synoptique, il s'allume dans la carto et inversement. Oui, alors il y a plusieurs manières de répondre à ça. Le lien pourrait être fait en exploitant des coordonnées XY qui pourraient être dans le jeu de données source, de manière à pouvoir générer des synoptiques pseudo-géographiques. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible, donc on y viendra peut-être. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, alors en fonction des formats, ça marche très bien avec le PDF, par exemple, on peut faire en sorte qu'un nœud, par exemple, soit cliquable et on peut bien sûr gérer l'URL qui est appelée. Donc, on pourrait tout à fait cliquer sur un nœud d'un élément du synoptique de manière à faire un appel, par exemple, à FME Server qui pourrait renvoyer un graphe correspondant au contenu du boîtier, par exemple, ou une représentation cartographique. Donc, oui, on peut lier les différents éléments entre eux, mais c'est plus du développement interne à GraphBuilder. On peut faire des choses. Je n'ai pas eu le temps de préparer une démo là-dessus, mais c'est un sujet tout à fait intéressant. Très bien. Autre question, un spectateur nous demande si GraphBuilder permet de définir plusieurs nœuds d'origine, comme par exemple plusieurs NRO, NRO pour nœuds de raccordement optique. Oui, alors là, c'est vrai que les exemples que je vous ai montrés en grande partie sont des arbres. On a commencé à travailler là-dessus. C'est vrai que ça correspond aux principaux cas d'utilisation qu'on a eu à traiter jusqu'à présent, mais les graphes, de manière générale, ne sont pas que des arbres. Donc là, je peux vous montrer un exemple sur l'adduction en eau potable, puisque là, c'est un réseau aussi, mais il y a beaucoup d'interrelations entre les éléments du réseau pour des raisons de sécurité ou de redondance, etc. Donc, merci au SIG pour les données qu'il nous a communiquées. Donc c'est loin d'être finalisé, mais vous voyez que ici c'est pas un arbre, c'est un réseau. Voilà, puisqu'il y a interrelation, il y a des éléments qui sont voilà, il y a des liens entre différents éléments. Donc là ce que vous voyez en bleu, ça doit être l'alimentation des particuliers, en rouge les bouches à incendie, mais comme vous le voyez, c'est loin d'être terminé, donc j'ai préféré éviter cette présentation là dans les cas d'utilisation. D'accord. Patrick, quant à lui, demande si on peut, avec GraphBuilder, donner des conditions d'évitement, par exemple, ne pas se faire croiser certaines connexions. Alors, là, il faut remonter à la théorie. C'est un cas qui est potentiellement indécidable, tout dépend du graphe. En gros, si le graphe en entrée est dit planaire, donc c'est sa définition. Autrement dit, si vous avez la possibilité de positionner les nœuds de manière à ce que les arcs ne se croisent pas, ça devrait être possible. Mais ce n'est pas toujours possible. Très bien. On va passer aux deux dernières questions, vu que le temps est parti bientôt écoulé. Peut-on faire des représentations en UML via les graphes? Alors, ça rejoint un petit peu la question sur le MCD tout à l'heure. Générer de l'UML, pourquoi pas? Il faudrait voir quel type de graphe. Pourquoi pas? C'est un type de représentation graphique. Il faudrait travailler dessus. A priori, c'est pas fait. Enfin, c'est pas fait, ça n'a pas été GraphBuilder n'a pas été conçu avec cette idée-là. Mais si vous avez des données représentant des informations modélisables sous forme de diagramme UML, ça doit être possible à tester. Très bien, merci. Et dernière question, peut-on utiliser cet outil avec un serveur SparkQL? Aucune idée. Aucune idée. Spark, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Donc, j'avoue mon ignorance, mais je vous promets de chercher. Bon, merci pour tes réponses, Olivier. Merci, merci à vous. Merci, Alexandre. Je te repasse la parole. Oui, bien sûr. Alors, juste 2-3 minutes avant de conclure. Juste pour vous signifier qu'il nous reste beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, malheureusement. Donc, si vous souhaitez nous les recommuniquer ou si vous souhaitez n'importe quelle autre information
par rapport à la conférence. N'hésitez pas à nous contacter sur conférence@vrms.com, conférence au singulier sans accent. Et pour être tenu au courant de l'actualité de VRMS, je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter et LinkedIn pour être tenu au courant de la sortie des vidéos et présentations de l'événement, de la sortie française de FME Desktop ou d'autres aussi surprises que l'on vous prépare pour cette année 2020. Voilà, sur ce, j'invite tous les intervenants à se reconnecter pour vous saluer et je laisse le mot de la fin à Olivier. Merci Alexandre. Merci à tous les participants de monter sur l'estrade pour la photo de famille. Je ne sais pas qui va la prendre, mais ça devrait être enregistré. Juste un dernier mot pour remercier toute l'équipe de VRMS qui a fait un très très gros travail. Tout le monde s'est donné à fond. C'est pas simple de faire une conférence de manière habituelle. Et contrairement à ce qu'on pensait, c'est encore plus compliqué de faire tout ça à distance. Donc, on vous remercie aussi pour votre présence. Nous sommes très, très heureux de voir que vous avez été très nombreux, 338 en ce moment même, à participer à cette conférence. C'est vraiment une récompense pour nous. Je tiens vraiment à vous en remercier. Ça nous permet de nous récompenser de toutes ces semaines d'efforts. Merci également à tous nos partenaires. Encore une fois, Arxité, Groupe NAT, la FIGEO, on espère tous vous retrouver l'année prochaine en chair et en os autour d'un vrai café, pas virtuel, en 2021, nous espérons à Paris. Voilà. Je vous remercie tous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci à tous. Merci. Salut. Merci. Merci. Alors, au revoir. Au revoir.